Vive les poules, vive les poules, vive les poules de stream. Vive les poules, vive les poules, vive les poules. Les gars, il faut vraiment que je poule là, les gars. Faut absolument que je poule. Bonjour Élevé, bonjour Atsu, bonjour Svarok, bonjour Redstock, bonjour Manon, comment allez-vous? Ah, 22 pour... What the fuck, 22 vœux pour avoir fait Xiao, Svarok, je suis jaloux. Je suis jaloux parce que, bah, du coup, j'ai hâte d'avoir fait Xiao. Je veux avoir la E6. Genre, absolument, il faut absolument que j'ai la E6. Cependant, j'ai à peine un peu plus de 30 vœux. Du coup, oh, oh les gars, what the fuck. Oh, mec, vous voyez pas dans la cam? Oh mon dieu. Ah, il y a une méga araignée sur ma caméra. Oh, oh what the fuck. Oh, vous venez de l'avoir passée, les gars. Ah, elle est énorme. Vous venez de l'avoir passée, non? On est d'accord? Elle est énorme. Vous l'avez vu passer ou pas? Oh, je suis choqué. Oui, oui, je l'ai vu. Ah. Elle est où? Sur ta tête. Oh, mais t'es énorme. Vous l'avez vu ou pas? J'adore les araignées, mais vous l'avez vu ou pas, les gars? Elle est passée directement dans l'objectif! J'ai rien vu! Oh putain, ce moment où est-ce que tu vois une araignée là, tu sais plus, elle est où? Oh what the fuck! Il y a une toile d'araignée là sur mon truc, les gars. Pour rien, tu y as fait peur. Ok. Je sais pas elle est où mais... non mais ça va, j'ai pas peur des araignées, juste... Ça m'a choqué parce que je vous regarde, tu vois, pour moi, vous regardez, c'est regarder la cam. Et là, je vois la grosse araignée qui arrive sur la cam et je suis comme, what the fuck. Live maudit pour poule, les gars. Je veux absolument la E6, mais je la E6 pas tout de suite parce que j'ai à peine plus de 30 vœux. Et en plus, j'ai fait un petit gage avec Mish. On est quasiment au même point niveau vœux, niveau pitié et tout. Alors, on s'est dit, celui qui l'a en premier fait la vaisselle ce soir. Donc, ouais, c'est ça. Celui qui l'a en deuxième fait la vaisselle ce soir. Donc, les gars, je suis en course contre Miss. Il va vraiment falloir que je parte poule pour le coup. Et bonjour Wavy, comment ça va? J'adore les araignées. Moi, j'ai rien vu. J'ai fait une early sur Black Swan. C'est une bonne voix pour Kafka. Oui, j'ai vu. Atsu, tu l'as vu? Aïe. Ah, moi, c'est... Je t'avoue, je suis... Ah, c'est juste le fait de pas l'avoir, en fait. J'ai plus peur de l'inconnu, tu vois. Le fait de pas l'avoir, c'est ça qui me fait plus peur que juste le fait qu'il y ait une araignée sur moi. C'est pas grave, en vrai, c'est une araignée sur moi. Juste, je veux l'avoir, quoi. Le fait de pas l'avoir, ça me stresse. Ah, j'avais 25 vœux, mais je l'ai eu avec son cône, t'inquiète. Dommage, t'aurais pas dû pull son cône. Le cône de Dr. Asio pour Fexiao est quand même largement mieux, je trouve, pour le coup, Zarog. Je crois que c'est le premier perso de tout le jeu où est-ce que vraiment son cône n'est pas le meilleur pour elle, pour le coup. Ça va, MDR, et toi? Je vais très bien. La fatigue intense, parce que ça fait quand même 2 ou 3 jours, les gars, que j'arrive pas à dormir. Donc, c'est ça. Mais sinon, ça va. Bonjour, Impurity. J'ai fait Xiao. Bonne chance, les mecs. Ah, je veux aussi Impurity. Je suis trop jaloux, pour le coup. Mais elle a combien de vœux de pitié? C'est comme moi. En fait, les deux, on est... en fait, moi, j'ai pas fait mes vœux encore. Elle les a fait aujourd'hui. Elle est à environ un 60-70 de pitié. Et moi, une fois que je vais avoir fait mes vœux avec vous tout à l'heure, je vais être à 60-70 de pitié. Alors, on est pas mal à la même chose. Juste, j'ai pas encore fait mes vœux pour le coup, Mimi. Ah, j'ai fait 30 vœux. J'ai juste eu un mos d'intéressant. Ah, parce que tu voulais. Mais attends, t'as eu juste un mos avec tous tes 30 vœux. Ouais, 30 vœux. Non, je comprends. 30 vœux, ça va. C'est pas beaucoup non plus. Quand j'ai déplacé mon bureau dernièrement, j'ai eu une grosse araignée qui m'a sauté sur le bras. Est-ce que tu as peur des araignées élevées? Non, tu m'as dit que t'aimais bien. Ah non, pas du tout, Peps. Le compte de Fexiao est largement la meilleure option. Pas du tout. Ah, mais pas du tout. Oh, ah, mais pas du tout, vraiment. À moins qu'il y ait un truc que j'ai pas compris. Vous savez quoi? On va aller voir le compte. On va aller voir le compte en entrée de jeu, je crois. Ou est-ce qu'il y a des gens qui veulent poule sur la chaîne aujourd'hui, les gars? De base, je suis là à 7h06 pour ça. Parce que hier, vous étiez... Oui, mais là, on veut faire des poules, et là, du coup, on aimerait les faire sur le stream. Et là, je me suis dit, bah, vas-y, je vais commencer le stream d'avance, pour le coup.
Non, pas du tout, Peps. Non. Son corne est son meilleur. Docteur Asio, c'est le deuxième meilleur. Mais c'est sûr que ça dépend de l'équipe. Parce que, exemple, moi, tu vois, ce qui est le plus intéressant sur son corne à elle, à ce que j'ai vu, c'est le Deathbreak. Le Deathbreak, les gars, j'en ai déjà trop, en fait. Avec mon équipe, j'arrive déjà à... j'arrive déjà... Il me manque une constellation d'un perso, mais je sais que je vais l'avoir. Alors, de toute façon, je vais déjà dépasser les 100% de Deathbreak. J'ai pas besoin de plus de Deathbreak, en fait. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus intéressant d'aller chercher les dégâts crit que le Deathbreak. Déjà que, de toute façon, le cône de Dr. Asio, il en a déjà. T'as à peine 16% de moins de Deathbreak avec le cône de Dr. Asio, mais de toute façon, il donne tellement plus à côté, genre... moi j'ai fait 250 pulls seulement de Moz. Ah, what the fuck. Ah oui, t'as pas eu de chance avec les Moz pour le coup, Xtrix. Et sinon, comment ça va, Mimi? Comment tu vas? C'est vrai, j'ai lu ton message et tout, je t'ai même pas dit bonjour, je suis un salaud. Fexia en faisant une multi, en 117, en garantie 25 vœux pour Black en pity MDR et 4 Moz en prime. Ok, ça c'est cool. J'espère que j'en vais avoir pas mal des Moz. J'aimerais bien le build plus tard et tout, genre pour voir un peu c'est quoi comme perso. Parce qu'en vrai, je m'y suis pas intéressé du tout. Je sais environ ce que c'est comme perso, mais c'est tout, genre. Invite. Oui, ok. Bah vas-y, je t'invite. Il y a Redstock, les gars, qui va commencer par faire ses poules. Vas-y. Vas-y, Red. Regarde, je t'invite en chat. C'est parti. Bah après, Pridwen, c'est son signature qui est le meilleur. Mais c'est sûr que ça dépend toujours de la compo. Mais en vrai, de vrai, normalement, si vous avez la compo opti pour Fexiao, bah vous n'avez pas besoin de son compte de lumière. Le compte de lumière de Dr. Asio, il est mieux. C'est ça le truc. Si t'as pas son équipe optimisée, oui. Ouais, son compte de lumière doit être le meilleur, peut-être. Mais si t'as son équipe optimisée, bah non. Pas du tout. Poule sur le live, malédiction. C'est pas vrai, t'inquiète, y'a pas de malédiction pour le coup. Attends, je pense que Red il m'entend pas. Attends. Je vais mettre le volume, les gars. Je vais mettre le son. Je vais mettre mon micro. Voilà. Bam. Est-ce que tu m'entends? Hey, oh, Red. Non, je te sens pas, une chance pour le coup. Bon, du coup. Salaud. Vas-y, on va changer de scène, les gars. En plus, je suis dans l'Even ou je sais pas. Je suis coincé dans un dialogue. Je sais même pas comment sortir de là, les gars. Regardez. Ah non, mais c'est vrai. Attends, on t'entend pas sur le stream. Je vais activer ton son pour que tout le monde puisse entendre tes conneries. Vas-y, regardez. Ça, c'est Redstock. Bah, allô? Du coup, je vais dire des conneries. Peps, le meilleur streamer du monde. Il est trop beau. Tant que je sois pas froid, ça va. Peps, ça raconte de la merde. Non, sauf que je préfère voir Fexiao à Ratio. Bon, moi je veux juste avoir le meilleur compte pour faire les records de dégâts en vrai. Hein. Pour moi, le compte de Dr. Ratio est largement mieux. Et pour ça, je suis vraiment content. Mais attendez, il y a peut-être un truc que j'ai pas capté sur le compte. J'irai voir après. Mais je suis coincé dans un dialogue. Pendant que je suis coincé dans le dialogue, on peut faire tes vœux, Red. T'as combien de vœux? 50, je crois. Tu crois? Comment ça, tu crois? Je sais pas, on va voir. Les gars, j'ai encore tellement de trucs à faire en plus sur mon cas. Oh, j'ai 39 vœux! J'ai 40 vœux, les gars! Je suis rendu à 40 vœux. Oh là là, 41 vœux! Let's go! Regarde. En vrai, c'est bien. Parce que je suis à la pitié, je viens de taper ma pitié il y a pas longtemps, là. Non, juste avant. Ça marche plus. Ok, donc tu vois là, je suis à 5-6 de pitié. Mais t'es en garantie, tu veux qui? Non, je veux personne, moi je veux que Moz. Moi je veux C6 Moz, je m'en bats les couilles. Ah ok, oh, oui c'est vrai, oh, ouais c'est vrai. Ah mais bon, tu le sais, tu vas pull Fexiao, pour un 4 étoiles, tu vas avoir Fexiao 100%. Non, c'est pas possible frère, je suis arrêté. Bah pull sur Robin. Non parce que... Robin elle peut te servir, en vrai Robin peut te servir pour une future compo. J'ai déjà. Ah mais oui, mais tu vas avoir des Edelons, c'est mieux. Surtout que toi, si j'ai bien compris, t'aimes beaucoup Moz, t'aimes beaucoup Zwei derrière, si t'as une Robin avec, ça peut vraiment être bien en vrai. Moi, je pense que tu devrais pull sur Robin si vraiment tu veux pas avec Xiao. À ta place, je pullerais sur Robin de fou. Ça va être plus intéressant pour toi, pour ta box et surtout pour ton équipe. Non, mec, Robin, elle a pas de place dans mes trucs. Bah en vrai, pull là. Non. Tu verras plus tard, Fexiao t'intéresse pas du tout. Elle t'intéresse pas du tout, Fexiao.
Ah, mais après, Robin, comme, elle peut être pratique. Plus tard, pour n'importe quel compo, ça peut être pratique, en fait. Il vient dans sa box, tu vois. C'est comme, comment ça s'appelle, l'autre, là, Acheron. Je l'aime pas du tout, je l'ai jamais joué, mais je l'ai essayé dans ma box, parce que, bah, c'est toujours bien de l'avoir, quoi. Ah bon? De toute façon, là, c'est un discours de Google, parce que je vais pas drop, en fait. Je suis mais c'est, mec, c'est sûr, 100% tu drop, à chaque fois tu drop, pour le coup. Merci pour les 220 visionnements de suite, Kouzou. Let's go. Aïe, 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 aïe. Attends, t'es déjà en train de faire des vœux, là? C'est une multi? Ouais, c'est multi, bien sûr. Putain, il a pas entendu, les gars. Let's go. Bonne chance à toi pour les mods. On veut un maximum de mods. Est-ce que quelqu'un d'autre va pull sur la chaîne après? Ou je peux faire mes pulls, les gars? À vous de me dire, pour le coup. Faites vos pulls. En gros, le compte de Fexiao multiplie, c'est dommage, à 122 % pendant le compte de ratio, juste 118. Ouais, mais c'est ça le truc. C'est qu'une augmentation de dégâts quand t'as son équipe opti, t'en as déjà 200% derrière Impurity. Alors, une différence entre 50% de plus ou moins, ça fait zéro différence quasiment dans les dégâts totaux Impurity. Donc c'est là que c'est vraiment intéressant d'aller chercher plutôt des dégâts crit. Et même là, les dégâts crit, c'est pas incroyable non plus, genre. Ce qui serait incroyable, ce serait du death break. Mais dans tous les cas, moi, je sais qu'avec ma team, je vais déjà être à 100% de death break. Alors encore là, c'est vraiment moyen, quoi. Alors, en vrai, l'important, en fait, c'est d'avoir plusieurs stats différentes. Je crois que c'est ça le plus important, le plus intéressant pour son build, pour le coup. Là, c'est deuxième ulti, on est d'accord, Red? Ouais, j'ai pas eu, j'ai eu le cas. Ok, deux mods, les gars. Il veut un maximum de mods. Et comment ça va, Kouzoubi? Ah, t'as essayé de dormir avec le sujet d'hier, fin de live? Non. Non, pas du tout, j'ai pas dormi. Lucas, ouais. Bravo, t'as vu, t'as eu Lucas. C'est ton ancien préféré, non? Non. Tu l'aimais beaucoup, Lucas? Tu l'as jamais joué, pourquoi? Bah, parce que c'est un support. C'est un sub, quoi. Ouais, c'est un sub... Dot, ouais, c'est ça. Elle et Pinchy, elles sont partagées entre les deux bannières? Oui, ouais, c'est partagé. Bonne chance. Let's go! Ah, troisième, on est à 30. T'étais déjà à 10 de pity, c'est ça? Donc là, t'es à 40 de pity, normalement. Vas-y, tu peux l'avoir. 40, 50 de pity, 50 de pity, Fexiao, c'est parti, c'est maintenant. Non, mais justement, ça casse les couilles, plus je m'approche de la pity, c'est chiant, genre. Ouais, je sais, mais c'est fou, t'as pas de buzz, c'est quoi ce bordel? Mec, il va t'arriver comme d'habitude, tu vas avoir le 5 étoiles, tu vas avoir aucun de tes persos que t'as voulu, genre. C'est fou! Ouais. Mais tu l'as déjà drop au moins une fois, deux fois, Moz, ou pas du tout? Je l'ai même pas une fois. Let's go, une fois, ok, c'est cool. Premier Moz, les gars, son but c'est d'avoir Moz E6, bonne chance à lui. Ouais, lui il veut E6 le... Ouais, je sais, c'est toujours 4 étoiles qu'il veut, il va drop Fexiao giga facilement, on le sait bien. On le sait, les gars, on le sait. Ils savent tous sur le chat, les gars, tu peux pas... Ils le savent sur le chat, ok? Ils le savent. Ça peut pas être facile. Je suis déjà à mon cinquième, à mon cinquantième. Ouais, mais par là, on veut dire que même si tu la veux pas, tu vas la drop. On le sait. Ah oui, il y a une pitié, mec, c'est vraiment. aïe. Deuxième boss, peut-être. Peut-être deux boss dans cette multi, ce serait cool pour toi, en vrai. Vous avez le leak 2.6 par rapport à la boutique de Erta. Maintenant, oublie pas, on essaie de pas trop parler des leaks sur le stream. Par exemple, sur le Discord, on a une catégorie leak. C'est là qu'on en parle beaucoup, du coup. Et ouais, il y a eu quelques fuites, mais je crois pas en rapport avec la boutique de Erta, pour le coup. Putain, mec, c'est quoi tes ouvertures, là? Il se passe quoi? T'as eu une Xevi, elle est même pas dans la bannière. Pour utilité, des pas pris loin, mais en vrai, ça veut rien dire. Ça, c'est de la merde. Après, ça dépend des teams, tu voulais dire, j'imagine, mais c'est quand ça reste le meilleur pour elle. Ouais, ben, en vrai, je suis. Je sais pas, on verra en vrai, une pretty. On verra. Je pense que ça dépend de l'utilisation, ça dépend de l'équipe, ça dépend. Tu sais, c'est comme tout au final, les gars. Dans le jeu, ça dépend de pas mal de trucs au final. Moi, je sais que celui que je préfère, celui que je trouve le plus
Le plus polyvalent surtout, c'est de loin celui de Dr. Ratio pour le coup. Et je trouve qu'il donne aussi plus de stats, donc c'est ça. J'ai bien fait baiser. Mec, t'as eu un Moz, c'est tout ? J'ai eu que des Lucas. T'as eu un Moz, c'est tout ? What the fuck ? Mais t'as trop... Ah non, mais ça va. Ah ok, non, je pense que t'avais encore les 5. Tu prends pas les vœux perma ? Ouais, si. Vas-y. Peut-être que tu nous drops une... Ouais, dans la perma aussi, tu peux drop Moz, non ? On est d'accord, dans la perma aussi, on peut drop Moz, non ? Non, pas encore. Bah oui. Ah non, c'est après la bannière ou c'est en même temps ? Quelqu'un sait, les gars, si on peut drop Moz ? C'est après, une fois que la bannière va être finie, que Moz va être dans la perma, c'est ça ? Prochaine mage, ok, ouais. Ah, c'est dommage, hein ? Ah, c'est dommage. Ça aurait été bien déjà de pouvoir le drop en vrai. Dégoûté, mec. Ouais, j'imagine bien. Un seul mot. Mais mec, ça t'arrive à chaque fois. Dernier pool, les gars, ça va être un vœu de la chance avec Fixiao. Il aura eu un Moz, oh, une Fixiao. J'espère pas. En vrai, j'espère qu'il va pas la drop. Ça m'a rendu pas, ça m'a rendu bon. Comme ça, je garde. Bah oui. Ah bah oui, tu gardes ta 46, ce serait trop bien pour toi. Hein. J'ai pool ou pas, j'ai peur de pas avoir assez de pool pour me choper Kafka. Tu veux pool sur la chaîne, Gouzou ? Les gars, s'il y en a qui veulent pool sur la chaîne, c'est maintenant, vous okay, me le dites okay. Maintenant. Moi aussi, j'ai envie de faire mes pools pour le coup. Oh, t'as eu Lucas, trop bien ! Mais il y a un truc avec le. Mais il y a un pourcentage plus élevé sur Lucas, c'est sûr. Ah bah oui. Ah, mais c'est bien, ça te donne des vœux et t'arrives plus rapidement avec CAO. Non mais regardez les gars, la preuve que le stream il est pas maudit. Bah il est maudit, bien sûr qu'il est maudit. Non. Il est fou maudit mec. Je pense que je pouvais pas faire pire que ce qui vient de se passer. Ouais je sais, non en vrai oui je sais. Putain je suis dégoûté pour toi. Hein. Je suis dégoûté pour toi mec. Mais t'as eu E6, c'est bien. J'avais déjà un E4. Un perso que tu utiliseras jamais. Bah c'est ça, c'est exactement ça. Regarde, il est... quel niveau le perso? Je sais même pas, mais ouais, c'est pas grave. Bah, c'est bien pour un truc avoir des E6 de perso qu'on n'utilisera jamais. C'est bon pour une chose, c'est juste qu'à chaque fois que tu vas le drop, tu vas gagner un vœu tout simplement. Ça, c'est quand même agréable, toi. Ah, peps, mais pas ce titre, comment ça? C'est quoi mon titre pour le coup? Fexiao est le personnage parfait. Bah, c'est pas un titre, hein, c'est une vérité. Ton stream est trop maudit. Comment ça? C'est quoi? Arrête. C'est pas vrai, les gars, c'est pas vrai. Vous savez, mon stream n'est pas maudit. Ah, mais non! Fexiao est une faible copie d'Acheron. Oh, tu te fous de ma gueule. Bon. Et ça n'a rien à voir en plus. Non, vraiment, les deux personnes n'ont rien à voir en plus, Mimi. Non, t'es dégueulasse d'avoir mis ça, Mimi. Vraiment. Ah oui, je viens de voir ça, Mimi. Oh là 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 là. Oh, s'il vous plaît, je vous en supplie, changez le titre dès que vous pouvez. S'il vous plaît, changez le titre dès que vous pouvez, les gars. Bon, t'as fini tes vœux là ? Est-ce qu'on laisse la place à tous les autres qui veulent faire leurs vœux ou pas ? Ouais, bonne chance. Hein. Non, mais désolé pour toi. Prochaine fois, t'inquiète, ça va bien se passer. Hein. Tu vas drop une fixe. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Arrête. Ah oh, les gars, merde. Merci pour tes vœux, Red, merci. Aïe. Bon, tu peux faire tes poules s'il y a que moi, je fais la... Ok, vas-y, je vais pouvoir faire mes poules, les gars. Est-ce que ce serait pas le moment de mes poules, mais est-ce que c'est moi qui vais gagner? Bonjour, Forsley, comment ça va? Je vais le changer parce que c'est ridicule le titre-là, je suis d'accord. 100% d'accord avec toi, Xetrix. Toi, tu me comprends. Qui a terminé la quête principale, les gars? Qui a terminé la quête principale? Ça va, je vais très bien, à part un niveau de fatigue qui dépasse l'entendement, mais ce n'est pas grave, Forsley, parce que je vais drop Fexiao. Bientôt. Regardez, je vais avoir 3 Moz en une multi, les gars. Juste pour foutre le sub, arrête, ce serait tellement drôle, les gars. Ah, pas moi, chut, j'ai rien commencé. Ok, non, t'inquiète. Juste, je dis, les cinématiques sont vraiment cool, quoi.
Ok, vas-y, Asta. De ouf, j'ai une Asta, what the fuck. Elle est dans la bannière, Asta? Non. Asta, elle était dans la bannière? Non. Ouais, j'ai peur de la mage. J'ai peur de la mage dure longtemps. Et ça fait quoi si elle dure longtemps, Kuzu? Après avoir volé la luck juste avant, t'inquiète, tu vas sûrement en avoir. Déjà, il faut que j'en ai plus qu'une. Faut que j'en ai au moins 3 pour être bien, ok? Vous êtes d'accord? Ok les gars, c'est parti. Merde. Je commence à avoir peur, allez, j'avoue. Je commence à avoir peur, les gars. Aïe 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 aïe. Je commence à avoir très très peur, les gars. J'avoue. J'ai vraiment eu un compte de lumière là. Ils se foutent pas de ma gueule. Aïe 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 aïe. Ok, là pour le moment c'est une catastrophe. En fait, comment c'est en l'air en même temps? C'est moi qui gagne. Asta, je vais la rejouer, je l'ai C6, j'aime bien le perso, elle est quand même cool, mais malheureusement, même C6, elle est pas incroyable, quoi. Mais elle reste intéressante, tu vois, elle reste intéressante, mais elle est pas... Mais disons qu'elle a été... Il y a d'autres persos qui sont plus intéressants, ça, le truc. Ok, let's go. Oh, putain, mais non, il me reste une seule multi. Oh, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, je t'en supplie, je veux Fake Xiao. Oh non, je stresse là, les gars, c'est pas cool. Oh non. Mais non, mais non, mais non. Mais non, le titre t'a maudit, mais non. Oh non, oh non, 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 s'il vous plaît. Attends, mais attends. Kuzu, je viens de voir ce que t'as fait avec ton autre compte. Mais t'as aucune race, en fait. T'as aucune race, en fait. What the fuck. Elle a mis l'haricot magique. Ah, oh, let's go, Moss, t'as vu? Mais c'est... Non, ça va, je l'ai eu une fois, je suis content. Non, moi aussi, j'ai envie d'avoir au moins une fois. Ah, il m'a mis un troll, le salaud. J'avais oublié que tu pouvais m'attaquer, Red. J'avoue, j'avais oublié que tu pouvais m'attaquer, Red. Aïe, 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 il me reste 11 vœux, les gars. 11 vœux. Cousez la reine de Kafka, puis-je obtenir ma Kafka bientôt. Bon, les gars, 5 minutes de troll. C'est parti. Nous sommes sur la bannière de Fake Xiao, le personnage à la perfection absolue. Je voulais regarder un peu son compte de lumière. On avait dit tout à l'heure son compte de lumière. Et on débattait là pour savoir quel était le meilleur entre le compte de Dr. Ratio et Fake Xiao. Je suis d'avis que Dr. Ratio est largement mieux. Je vais essayer de lire, mais je vais lire de très proche du coup, parce que vous avez vu quoi. Augmente les chances de coup critique du porteur de 15%. C'est bien. Ça, c'est vraiment bien pour le coup. Surtout que c'est un perso qui a besoin de chance crit. Vraiment beaucoup. Il lui faut minimum 80% de chance crit pour être efficace. Lorsque le porteur lance une attaque de suivi, il gagne un cumul de lumière vive jusqu'à un maximum de 2 fois. Donc cumul de lumière vive, les gars. Comme dans Halo. Chaque cumul de lumière vive permet aux dégâts d'ultime d'infliger par le porteur d'ignorer 27. Ah ouais. Ah ouais, non, ok, non, je viens de capter en fait. Ok, c'est très fort si vous voulez la jouer. Si vous voulez la jouer. Non, non, il y a moyen quand même que ça soit très fort, les gars, en vrai. Ok, je viens de voir. Je pensais que c'était une fois 27%, mais c'est 2 fois 27% pour le coup. Donc 2 fois 27%, ça nous donne. Ça nous donne pas mal, en vrai. Hein. Ça nous donne quand même pas mal, les gars. Oh, ah ouais, les gars. Ça nous donne quand même pas mal, beaucoup, en vrai. Mais aïe aïe aïe, ouais, j'hésite. Le truc, c'est que en vrai, c'est très très fort dans le sens où est-ce que il y a dans un monde où est-ce que vous pouvez carrément remplacer un perso grâce à ça, genre la Silver Wolf. Ce sera pas aussi intéressant que la Silver Wolf parce que ça reste que ça donne pas autant de death break que Silver Wolf, mais quasiment autant.
Mais ce qui est vraiment là où vous perdez à mettre ça au lieu d'une Silver Wolf, ce serait dans les faiblesses en fait. Parce que Silver Wolf, elle va mettre oui du Death Break, mais elle va aussi mettre comment ça s'appelle, le code éthéré avec son cône. Elle va mettre d'autres debuffs qui font que l'ennemi reçoit plus de dégâts qui ne sont pas des Death Break. Et ça, c'est vraiment ultra fort pour le coup. Alors tout dépendant, en vrai ouais, ça dépend vraiment de la compo, j'ai envie de dire. Mais ouais, le cône il est vraiment banger pour le coup. Je pense que pour le moins d'investissement possible, le cône est vraiment estier. Si tu veux vraiment optimiser le vraiment de fou, peut-être que Dr. Asio il est mieux les gars. Mais les deux sont vraiment très forts, je crois que les deux sont vraiment top niveau quoi. Les deux sont vraiment vraiment égaux. Ce qui est vraiment intéressant en fait, c'est que si vous avez la compo ultime, si vous avez la compo optimisée pour Fexiao, en fait, vous n'avez pas besoin du Death Break. Vous n'avez pas besoin, genre, vous avez besoin de peut-être 15% de Death Break sur le compte de lumière, pas plus. Donc, il y a beaucoup, 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 beaucoup de Death Break qui part dans le vide et qui ne sert à rien. C'est ça qui est vraiment dommage, en vrai. Et je trouve ça c'est affreux, les gars, j'ai encore mes lunettes. Bon, on va faire le pool pour le coup. Mais déjà, le compte, il est mieux que qu'est-ce que je pensais. Mais vraiment très intéressant pour le coup. Je comprends pourquoi vous voudriez pull le compte. Je comprends. Si vous n'avez pas pull le compte de Dr. Asio et tout. Si vous avez déjà le compte de Dr. Asio, en vrai, ils s'équivalent beaucoup. Et tout dépendant de la compo, le compte de Dr. Asio peut être mieux alors. Je pense que. Moi, je pense pas que la plus-value soit vraiment intéressante quoi. Donc, dernière multi, les gars. S'il te plaît, faites que ça marche. Je vous en supplie. Ah merde. Je sais pas si j'ai bien vu, mais je pense que j'ai pas. Non, j'ai pas, putain. Aïe, 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 les gars. Vous savez que si je drop après Miss, c'est moi qui devrais faire la vaisselle ce soir, les gars. C'est triste. C'est horrible, les gars. Je veux pas. Non, mais encore le compte de lumière. Mais il se fout de. Mais quoi? Que ça? Mais non. Attendez les gars. Attends. Comment je fais? Je veux aller dans la boutique là pour le coup. Comment je fais? C'est quoi le bouton pour aller dans la boutique? Je me rappelle plus les gars. Ah! Mais non! C'est pas ce que je voulais! Je sais même pas où est-ce que j'ai pull les gars. Je suis un connard. Oh, je suis un connard. Je sais même pas où est-ce que j'ai pull. Une chance j'ai bleu. J'ai pull sur quoi? Ok, sur elle. Ok, fiu. Attends, c'est quoi le bouton, les gars? Ah, ok, c'est ça. Ok, voilà. Est-ce que je peux aller chercher quelques vœux ici? Je peux aller en chercher deux. Oh! Mais c'est rien! Ah ouais. Ah ouais. Je pensais que j'aurais été mieux que ça, j'avoue. Oh! Ah, mec, je suis en stress. Je suis en giga stress, pour le coup. Ah, je peux enlever les lunettes. Je viens de voir, les gars. L'ACB, peps. L'envie est totalement présente de mettre l'ACB. Cependant, je mange déjà des ramen à tous les jours. Non, c'est pas possible, là, pour le coup. Qu'aime le groupe Queen, ici. Je suis pas sûr de savoir ce qu'il chante, Charles. Et sinon, comment ça va, Charles? De la part de tous les occupants... Comment ça va, Étoile? Présentement, bonne chance pour tes poules. Est-ce que Servus va nous donner de la chance? Est-ce que Servus va nous donner de la chance? C'est parti! Fuck. Là, je suis à 73 vœux normalement. Ouais, je suis à 73 de pity là en ce moment, les gars. 73 de pity là en ce moment. Je suis à 73 de pity, les gars. Ah. Je sais pas, t'es à combien exactement? C'est environ la même chose, environ. On a calculé tout à l'heure et on est environ pareil quoi. Ah, je veux que tu perdes comme ça, je peux être moins seul dans ma souffrance. Non mais j'ai pas envie de perdre en fait, Mimi. Tu connais pas Queen? Je pense que je connais leur musique, mais genre vite fait comme ça, je me rappelle plus c'est quel groupe pour le coup, Charles. Mais je suis quasiment sûr de connaître leur musique pour le coup. Sinon je vais très bien à part la fatigue ultime et toi alors.
Les gars, en fait, il y a moyen ici que ça me donne un vœu en plus, non? Imaginez le truc de dingo. Non, pas du tout. Ah non, mais arrête. Non, arrête, les gars, mais non. Vraiment, j'ai pas? Oh mon dieu, on a un vœu de la chance. On a un vœu de la chance, les gars. On a un vœu de la chance. Bonjour Riri, comment ça va? On a un vœu de la chance. Est-ce que vous y croyez, les gars? Est-ce que vous y croyez, s'il vous plaît? Donnez-moi de la chance, s'il vous plaît, je vous en supplie, les gars. Allez, peut avoir un stack de lumineux jusqu'à 12. Donc, elle ignore 324% de def. Non. Non, elle peut avoir deux stacks. Elle peut avoir que deux trucs de lumière solide, je sais pas trop quoi là, Impurity. Donc c'est juste deux fois pour le coup, Impurity. Ouais, même moi j'ai eu qu'un mod, t'as vu Red, c'est fou. Tu vas l'avoir, tu recevras bientôt le remède contre la fatigue, let's go. Putain de merde, j'en peux plus, chier. Oh merde, je suis à 74 de pity, ça veut dire la prochaine j'atteins la soft pity, les gars. La prochaine j'atteins la soft. Donc en vrai de vrai, on va aller faire un event vite fait là. Attends, oui, attends, il y a peut-être moyen là que je récupère des vœux un peu partout, let's go. On récupère un maximum partout, les gars. Oh, regardez, oh là 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 là, let's go. Let's go, les gars, on a ce qu'il nous faut. Ah oui, je pense qu'on a les gars, je pense qu'on a, let's go. Oui. Ça va le faire les gars, rest in peace, un jour tu l'auras. Non t'inquiète, je l'ai, regarde. Ouais, je l'ai pas. Ouais, j'ai récupéré Red, évidemment. Évidemment, t'inquiète. De base, je rappelle que hier avant de me connecter sur Honkai, j'avais 15 vœux Red. Alors là, j'étais rendu à combien? À 41 vœux. T'imagines comme... Merci Bougli pour le code, merci beaucoup. Ça serait dommage de perdre 50-50 aussi haut. Arrête. Ça n'arrivera pas, parce que je ne suis pas en 50-50. Dans 10 minutes, je poule, je crois. Ok. Parce que, pourquoi? Parce que j'ai pas volé la chance. Parce que pour le moment, j'ai pas été chanceux, Kuzu, c'est pour ça. T'inquiète, on va faire l'event, on va se dépêcher, les gars. Ok. Et après, vous savez qu'on a des poules à faire sur ZZZ aussi. Ok, on se dépêche les gars. Il me reste encore 20 minutes pour jouer en Honkai, les gars. Il faut que je me dépêche, ok? Let's go. Et non, juste pour info, Exitrix, on sait, il l'a eu. Exitrix, tu l'as eu à combien de tapiti pour le coup? T'es en garantie? Ouais, je suis en garantie moi pour le coup. Alors normalement, ça va, hein. Normalement, il n'y aura pas trop de problèmes pour le coup. Merde, je vais où? Je vais où? Qu'est-ce qui peut me rapporter des primos le plus vite possible, les gars? Vite, qu'est-ce qui peut me rapporter le plus vite? Je pense que c'est ça, non? Ça, c'est ce qui peut me rapporter le plus vite.
Ah, c'est pas drôle du coup. Pourquoi seulement une heure parce que on est même pas censé faire de Honkai aujourd'hui, Mimi. On est censé faire du ZZZ, on est censé après aller sur le Let's Play. Et là, bah, on va. J'ai commencé plus tôt pour qu'on puisse jouer un tout petit peu à ZZZ pour le coup. Vas-y, vas-y, on va faire ça vite fait. Après, je vais avoir un autre truc et un autre truc et un autre truc. Tu vas voir, ça va aller vite, les gars. Ça va aller vite, ça va aller vite, ça va aller vite. Pourquoi la mage est aujourd'hui d'ailleurs et pas demain? Parce qu'ils sont fous! Je sais pas pourquoi, Kozo. J'ai fait Xiao C1 R1 pour le moment. Ok. Ok, je vois, je vois, je vois. Ah non, ça c'est ma. Car ce malade me demande s'il devait pas mettre 1700 balles dans le jeu juste pour la E6. Les gars, si j'aurais pu, si vraiment j'avais l'argent dans les poches là, là, j'aurais mis 1500 balles pour aller chercher ma fac sur E6. Y'a pas de souci. Merci pour le leurre, Kuzvarog. Si tu fais des veines, je vais partir moi. Comment ça, Svarog? Pourquoi, Svarog? Et bonjour, Cinnamon. Comment ça va? Ok, ça c'est bon. Les veines, il est quasiment fini, moi, je crois. Je sais plus en vrai. Ok, attends, vas-y, bam, bam, bam. Ah, moi j'aime, d'ailleurs, je mets pour elle. Et effectivement, c'est vraiment le personnage parfait pour le coup, hein, les gars. On n'a pas lu ses compétences et tout, mais elle a tout ce que je veux. Elle est mono-cible, elle a un flingue, elle a un arc, elle a un pistolet. Bah non, ça j'ai déjà dit, elle a des oreilles, les gars, c'est une hybride. Je vous ai dit qu'elle était mono-cible, je crois que je l'ai déjà dit ça. En plus, elle fait ses énormes dégâts avec son ult. Elle peut ignorer la faiblesse de l'ennemi avec son ult. Truc de dingo pour le coup. Sa technique est complètement folle, les gars, pour farm. Non, non, elle a tout. Non, non, elle a tout, les gars. Elle a tout, elle a tout, elle a tout. Elle a absolument tout pour le coup. Hein. Clac, clac, clac. Ok. Alors, Fex Machine. Fex Machine. C'est quoi Fex Machine? Fex. Mais non, mais elle dit son nom correctement. À chaque fois, j'ai la misère à lire tes messages. Riri. Est sympa, mais sans plus, je trouve, donc ça a mis un skip. Je te comprends, non, je te comprends. T'inquiète, c'est normal, on a tous nos persos favoris pour le coup. Je me suis encore fait spam follow cet après-midi, plus de 1000 comptes. What the fuck? Hey, j'ai trop peur, moi ça m'est jamais arrivé. Je crois qu'à la limite, j'ai eu déjà une dizaine de comptes d'un coup, genre. Mais c'est tout, Cinnamon. Et c'était 10 comptes qui faisaient de la pub en étant genre... Ouais, viens, on vend des bots et tout, genre on vend des followers, un truc comme ça, je suis plus con. Mais du coup, ça a jamais été un follow, une attaque de follow quoi. Ça a jamais été ça pour le coup, Sina. Ça a l'air trop bizarre pour le coup. Et bonjour, Arusa, comment vas-tu? Les gars, pourquoi ça a fait comme si je voulais pas me battre contre l'autre mec? Moi je suis prêt à me battre contre l'autre mec. Pourquoi faut que je recommence? Je comprends pas. Ok, attends, 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 on fait quoi, on fait quoi, on fait quoi, on fait quoi? Je pense que je vais juste mettre mon équipe tranquille, les gars, ok? Bam, non mais... La mienne est nulle pour le coup, je pense. Je sais pas, hein, je suis pas sûr. Clac. Non, même pas, c'est même pas mieux avec Ruan Mei. C'est mieux avec elle, là. Je crois. Je suis pas sûr, les gars, merde. Je suis pas du tout sûr. Vas-y, je fais ça, je fais ça, je fais ça, on va voir ce qui se passe, les gars. Clac. Ok, les dégâts sur la durée, j'ai la possibilité d'avoir ou pas? Stupéfaction, vas-y, bam. Dégâts sur la durée, c'est ça. Vas-y, continuez, on y va, c'est parti. Comment ça va, purée? Je pensais qu'il allait démarrer à 19h. Normalement, je démarre à 19h, oui. J'ai essayé de démarrer une heure plus tôt pour pouvoir faire un petit peu de Honkai Rail, les gars. Mais on va bientôt repartir sur ZZZ comme prévu. Par contre, t'es fort dit son nom correctement, tu l'écris mal, Fexiao. Bah c'est pas moi qui ai écrit, moi j'ai juste fait un copier-coller du message, du titre qu'on m'a dit de mettre, Wavy. C'est pas mon titre, hein, pour le coup. C'est pas du tout mon titre. Quoi? Qu'est-ce que t'as mis, Red? Déjà, c'est trop long. Hein. Je peux mettre la pâle copie de Acheron, la Queen. Je vais mettre que ça, ok? Parce que bah le reste, c'est trop long, sinon. C'est bon pour toi, Red. Regarde, c'est bien comme ça, là, regarde.
Ah, qu'est-ce que t'en penses? Merci pour les 7 visionnements de suite, Riri. En gros, cet après-midi, j'étais sur le live d'une streameuse et elle s'est fait spam follow, spam chat view et aussi en vrai bordel, j'ai parlé dans le chat et la personne a vu que j'étais streameuse et hop, là j'ai subi ça alors que j'étais même pas en live. What the fuck? Ah oui, d'accord, t'étais même pas en stream, mais what the fuck? Mais c'est chelou de fou! Je t'enverrai un certain compte à bannir au cas où. Oui, totalement, 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 sinon. T'es gâché, machin, sympa. Ah, yes, parfait, Red, le titre avant celui de Mimi, c'était le tien. C'est jamais trop long, what the fuck? Oui, ouais, c'était beaucoup trop long pour le coup, Red. C'était beaucoup, beaucoup trop long. À moins, mais change, mets-moi un autre truc et je le mets pour le coup, Red. Mais dépêche-toi. Faut-tu mettre Fexia caca caca quoi? Fexiao caca, sinon ça a pas de sens. Bah je peux mettre juste Fexiao caca si vous voulez les gars. Non mais fais-moi une phrase, Red, fais-moi une phrase qui a du sens et je la mets pour le coup. Ah bon, je vais encore attendre le reset pour changer de titre. Je remarque mais c'est terrible, je veux dépenser mes points mais je peux pas. Comment ça tu peux pas le dieu des imaginaires, comment ça, pourquoi? Aïe 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 les gars, chance. Ah non, mais c'est pas la drop avant moi, je suis dégoûté, miss. Ouais, mais dans 20 minutes, je suis obligé de fermer le jeu. Je suis dégoûté. Je croyais que je l'aurais. Je suis tellement deg. Pourquoi? Merci à Rosa pour les sons bits. Ah merde. Sinon comment ça va Peps? Tu as rien oublié lol. Joyeux anniversaire à vous! Je suis un salaud! Joyeux anniversaire à Rosa! Let's go! Les gars, aujourd'hui il a 41 ans! Non, c'est pas vrai. Je sais plus, tu m'avais dit 29, non? 29, je crois. Ou 28, je sais plus. Je suis un salaud! 29, GG d'avoir survécu aussi longtemps dans cette vie. Ce soir, je fais la vaisselle à cause de Fex. Ah, vas-y. Vas-y. Par exemple, le nom, tu l'as. Ouais, tu l'as détraqué le nom hein, pour le coup, Red. Ah, ça fait très malin. Ah, ça fait très très malin, les gars. Pour une sublime, votre Fexia, vous savez ce qu'il faut. Ce qu'il vous faut, connaissez-vous Topaz? C'est l'heure de la sponsor CPI. Putain, mec. T'essaies de me ralentir, c'est ça? Y'a quelqu'un qui essaie de me ralentir, les gars, hein, c'est pas possible. Aïe, 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 aïe. Attends, je vais aller chercher. Du coup, je vais aller chercher la vidéo. Merci à Rosa pour les 100 bits! En bas merci, de merci, petit type, regarde les couleurs en bas de l'écran, change en fonction de ta barre en haut en progression. Tu me parles de quoi? Ah d'accord, c'est ça. Oui, je me demandais si ça changeait avec le calcul du combat et tout. Je me demandais, je pensais que oui, mais j'étais pas sûr. Mais du coup, oui. Ok, c'est stylé qu'ils aient fait ça. Je trouve ça stylé en vrai, je trouve ça très cool. Par exemple, je suis en train de me faire éclater, les gars. Il fait pop des trucs sans arrêt. Il va me... Je crois qu'il va me tuer, hein. Ou pas. Transformation en Deadpool, laisse-moi encore 5 minutes, je le mettrai Red, juste je vais garder le Pepsi crotte là sur la tête un tout petit peu parce que j'ai quand même oublié la nef de Rosa. Je suis un salaud, ouais, je sais les gars, je sais. aïe, ça par exemple c'est toujours drôle, je trouverais ça toujours drôle l'emoji qu'on a fait là de Pepsi crotte les gars, il est tellement bien en fait. Yo Isaiah, comment ça va? Comment ça va? Comment vas-tu? Oh, j'ai gagné!
Ah, j'ai gagné, les gars. Je l'ai éclaté. T'as surtout oublié ton haricot magique. L'haricot magique, c'est pas maintenant pour le coup, Red. Alors, tu vas te calmer. Non, je crois que je vais pas avoir le temps pour mes poules. Le lancement est lent. C'est vrai, c'est possible, ouais. Oh, oh mon dieu, c'est possible, ouais. Même moi, je pense que j'aurai pas le temps de refaire des poules, les gars. Ça va être trop long pour le coup. Ah, je suis dégoûté. J'ai envie de dépasser. Est-ce qu'on dépasse de une demi-heure? On dépasse d'une demi-heure, les gars? On dépasse de 30 minutes ou pas, les gars? Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Est-ce qu'on dépasse de 30 minutes? Est-ce qu'on fait ça? Ah, moi, je vois beaucoup plus de oui que de non, hein, pour le coup. Arrêtez le spam. Oh merde. On a 1, 2, 3 oui pour 2 non, les gars. Je pense que ça va, on est bien. Je pense qu'on est bien. Putain, 3 oui pour 3 non. 10 minutes en vrai. Ok, 10 minutes. 10 minutes, les gars, ok. 10 minutes. Ça vous va? 10 minutes. Arrête. Je passe à l'heure que je vais regarder des animes après partie découvrir cette mage. C'est un oui pour ma part. Let's go! Donc ça ajoute un 5 minutes au compteur. 15 minutes. 15 minutes on dépasse. 15 minutes on dépasse, les gars. Non. J'ai même Robin et son con MDR. Tu as fait l'histoire en vrai. Ouais, j'ai fini l'histoire, moi, pour le coup. Elle est incroyable, l'histoire. Elle est vraiment cool pour le coup. 10 minutes, je crois, j'ai le temps pour mes poules. Zitrix, toi qui voulais foutre 1700 balles dans le jeu, mais pas pour Fexia, ou évidemment, lui veut pour Rapa. Mais là, tu commences à économiser pas mal de vœux, là, Riri. T'as combien de vœux en ce moment? Ah non, tu parles de Zitrix. Putain, mais what the fuck? Attends, Zitrix, non, c'est vrai. Tu veux pas mettre de la moula pour l'avoir E6 maintenant? En vrai, ça sert à rien de l'avoir E6 maintenant, les gars. Ça va être trop vite pour rien. T'inquiète, Arusa il a E6, les gars. Arusa il a E6. Je peux vous assurer que si je l'ai 1-1, E2, disons, je suis sûr que je suis capable d'avoir le record si j'ai la E2 et lui la E6. Je suis sûr. 100%. J'en suis persuadé, les gars. Mais j'aurais pas la E2 maintenant. Du coup, je pourrais pas savoir maintenant. Ah, t'as vu mon MP, au fait, lequel? Non, je crois pas, si tu me l'as envoyé pendant le stream, non, j'ai pas vu, Haru. C'est moi qui veux Rapa, pas Xitrix. Oui, non, c'est ça, je mélangeais, en fait, je sais pas pourquoi, hein. j'ai complètement interverti, pour le coup, Riri. Je suis sûr que tu l'auras pas, mais pourquoi vous dites ça, les gars? Vous êtes méchants! Vous êtes si méchants, genre! Tu peux rêver, Peps, la E2 t'ajoute même pas de dégâts en plus. Je sais, c'est la 1-1 qui t'ajoute un peu de dégâts. C'est la 1-1 qui t'ajoute de dégâts un peu. Après, il y a la E6, elle augmente énormément les dégâts pour le coup. C'est un dinguerie. Hein. La E2 pour le. La E6 pour le coup, c'est n'importe quoi comment elle t'ajoute des dégâts. Je viens d'avoir pas mal là de. Ah, j'ai peut-être tout ce qu'il me fallait, les gars, pour faire un autre vœu. Est-ce que ce sera suffisant? Ouh, est-ce que ce sera suffisant, les gars? Je vais aller voir. T'es prête? Ouais. Est-ce que tu veux me faire gagner ma Fexio? Non. Let's go, les gars. Est-ce que ce ne serait pas l'odeur de la Fexio? Elle veut pas arriver, les gars. Mon record temporaire Fexiao. Ah, bah, en vrai, t'es pas obligé de me l'envoyer maintenant. Attends, fais le maximum d'ici demain. Demain, on sera en 100% Onkai, Yaru. Alors t'inquiète, pas de presse. Ouais, je pense que oui, pour le coup. Hein. Je me suis trompé, en fait. Je pense que c'est... C'est sa sœur, la Yukong, que j'ai senti pour le coup. Je sais pas si c'est sa sœur, les gars. Aucune idée, pour le coup. Pourquoi est-ce qu'ici, c'est 0? Je viens de le battre. Pourquoi est-ce qu'il faut que je refasse, les gars? Vous pouvez me dire ou pas? Quelqu'un sait? Accéder au défi. Vas-y, on y va. Je vais l'éclater, les gars. Je vais le défoncer comme jamais. Clac. Clac. Clac, clac.
Là, on va mettre le truc là. Non, 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 c'est pas ce que je voulais. Merde. stupéfaction, vas-y. Et le truc dégâts sur l'azuré. Ok, c'est parti. On y va, on commence ça comme ça, les gars. Ah, ne pas sortir de son contexte, s'il vous plaît, de... Moi, je la sens, elle est proche. Quoi ? Oui ? Oui ? Oui ? Ah, oui, d'accord, je vois, cousin. Je vois. Ah, mais attendez, mais what the fuck, les gars, vous avez... Je viens de capter que vous avez eu un badge de Z-Deven. Comment vous avez... Moi, j'ai pas ce badge. Pourquoi j'ai pas ce badge, moi ? Attends, je l'ai ou pas ? Comment je fais pour savoir si j'ai le badge, les gars ? Ah oui, je l'ai. Ah ouais, je l'ai. Ah, il est stylé le badge en vrai. Il est cool, il est cool. Badge 24 pour 2024, j'imagine, pour le coup. Ah, c'est stylé. Il est cool, il est cool. Allez, j'arrive, Exitrix, envoyez-moi. Envoyez-moi si t'as quelque chose. T'as fait combien ? Ok, non, non, yop. Haru, ah ouais, j'aurais cru que tu ferais facile plus de 2 millions avec. Non, je pense pas. T'as fait combien en vrai, Haru ? Tu cliques sur ton pseudo. Ouais, c'est ça, je viens de voir. Ouais. Mon chargement avance plus. Kuzu, je sais pas pourquoi c'est aussi long pour toi, c'est trop bizarre. Mais t'as fait combien de dégâts avec Fexiao sur Cocolia, Haru ? Ah oui, c'est vrai, les gars, j'ai un Deadpool, les gars, j'ai un Deadpool. J'ai la pause pub là que j'ai pas fait, on va la faire aussi. On va tout faire en même temps, les gars, parce que là, je commence à prendre du retard sur les récompenses de points de chaîne des os. Bam, topaz, 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 où es-tu ? Topaz ! Topaz, elle est là. C'est parti, les gars. C'est maintenant. Bam. Son du jeu, non pas son du jeu. Son de la pub, c'est parti. Voilà, c'est pour toi ça. Oh, qu'on les aime les postes CPI. Merci Svarog, ça fait plaisir pour le coup. Donc, est-ce que mon combat est terminé ? Mon combat n'est pas terminé, malheureusement. Black Swan est dans le mal. Non, elle est plus dans le mal. Ok, let's go, je vais tout casser. C'est bon, tu peux m'éviter, Kuzu. Let's go, vas-y, vas-y, invite-moi en chat pour qu'on puisse regarder tes poules. C'est maintenant, c'est tout de suite, on se dépêche. On se dépêche, Kuzu, parce qu'il faut que j'ai le temps de faire mes poules aussi. Dernier chargement et je suis sur le jeu. Ok, t'inquiète, y'a pas de soucis. Let's go, au pire, dans tous les cas... Ce que je peux faire, c'est démarrer le prochain combat, juste je le démarre, et comme ça, après, on fait tes poules. Tranquille, genre. Dernier chargement, je suis sur le jeu. Tu peux faire largement plus
Ouais, je pense que oui, hein. Ouais, vraiment, vraiment. Je pense que tu peux toucher le million. Non, mais toi, t'as la EC, c'est sûr que tu peux tout. Si tu touches pas le million, c'est pas un record de Fexia Oaru, je pense. Le badge qui veut pas se mettre. Ah, c'est possible. Des fois, il y a des trucs qui font un peu de lubrifiant et tout. Ça dépend, Oaru. Hein. Vraiment, ça dépend. Regarde, si t'as ça à la maison, ça devrait le faire pour le coup, Oaru. T'inquiète. J'en peux plus. Ah merde! Désolé, Haru. Aïe aïe aïe, merde! Ah, tu peux pas, peps, tu verras la vidéo, tu peux pas la descendre trop, sinon tu descends à la phase 2. Ouais, mais parce que tu fais que des attaques normales avec Fexiao et tu baisses la barre de rupture avec Silver Wolf, Haru. Ou t'as pas Silver Wolf? Parce que moi, je fais avec Silver Wolf. Elle est banger pour ça. Je baisse tranquille, les gars. Je suis vraiment au calme avec Silver Wolf pour enlever la rupture et pouvoir faire la rupture avec n'importe quel perso à côté. Donc, vas-y. Je vais pouvoir démarrer le combat. Le prochain combat, c'est celui-ci. Tous les alliés qui attaquent Kokolia, Fexiao attaque derrière. Ouais, mais attends, elle le fait une fois par tour, normalement, Haru, non? Ouais, elle le fait une fois par tour. Non, je sais plus. Je l'ai pas encore joué, moi, vraiment. Alors, je sais plus, pour le coup. Ok, si on fait lui, ça donnerait... Ah ouais, merde, les gars. Comment je fais? Ah merde, comment je fais, les gars? Ouais, je dirais Sparkle. Silver Wall Spark. Oh, on va tester les gars, ok. Vas-y, bam bam bam. Clac clac. Nous, ce qu'on veut, c'est de la recharge d'énergie pour le coup. Tous les alliés activent immédiatement leur ultime. Ça peut être bien, mais j'aimerais mieux. Ouais, c'est bien, mais je sais pas en vrai. Utilisation d'un ultime par ce personnage, ce dernier voit son action. Ça, je dirais plutôt ça, ouais. Chaque attaque lancée attaque tous les ennemis, à toucher. Aïe aïe aïe, je sais pas du tout. Permet aux personnages alliés d'agir immédiatement et augmente leurs dégâts infligés de 50%. Putain, les gars, je sais pas du tout. Non, je dirais ça, les gars. Je dirais ça. Donc, ah mec, je sais pas du tout. Oh, je sais pas du tout, les gars. Aïe aïe aïe, je sais pas du tout pour le coup. Ok, on va y aller comme ça pour le moment. Je veux de la recharge d'énergie, c'est celui-ci. Ok, c'est parti. Bam. Let's go. On commence le défi. Petit 19, je sais pas combien de vœux, mais sûrement pas assez. Dans tous les cas, on est prêt à faire tes vœux, Kuzu. Est-ce que tu veux m'appeler? Oui, tu m'as appelé. Ok, j'arrive. Ça va, j'ai réussi, les gars. Attendez. Clac, ça c'est fait. La pause pub, ça c'est fait. Mon téléphone, il est passé en mute. Attendez, j'enlève le compte à rebours. J'en peux plus. Tout arrive en même temps, les gars. Il y a même le camion devant moi qui arrive comme d'habitude. Je sais pas pourquoi. Il revient toujours au même endroit. À toujours à la même heure pendant que je stream. J'en peux plus. Non, chaque allié, une fois par allié tour. Ah ouais. Ok, je verrai si j'y arrive. Parce que j'attaque quand même. Je crois que j'attaque deux fois par tour. Tous mes persos, ils attaquent deux fois par tour, genre un truc comme ça, je sais plus. Ah, je sais plus, Haru, je verrai. Je vais tester tout à l'heure. Je vais tester tout à l'heure pour voir ce que ça fait, juste pour voir combien de fois elle attaque. On verra, ouais. Descendre la barre avec Silver Wolf, je l'ai fait, mais quand Kokolia prenait une attaque de Silver Wolf, Fexiao lui faisait perdre 30% de ses PV. Aïe, ok, ouais. Ah ouais, c'est chaud, hein. C'est chaud de fou pour le coup, hein. Peps, j'ai 185 vœux actuellement, mais à deux doigts de mettre de l'argent pour Rapa. Mais Rapa, elle est même pas là, genre ça serait un peu ridicule que tu mettes de l'argent là maintenant, Riri. J'attends, ok les gars, on va regarder les vœux de mademoiselle DS Kuzumi. Je vous laisse en face de ses vœux, les gars. Je vais même... Non mais vas-y. On entend les bruits de combat derrière, ça vous dérange pas, on est d'accord. Bonne chance à toi, je te souhaite toute la chance du monde pour pouvoir avoir une E6 Kafka.
ESF Kafka, les gars, dites ESF Kafka dans le chat, s'il vous plaît, pour lui donner un peu de chance. Merci pour le lurk, Dream. Bonne chance à toi, Kuzu. Non, mais on peut faire qui tout double. Je suis triste. Je suis dégoûté. Ah, je suis tellement deg, what the fuck. Je suis trop deg, mais non. Ah, étoile, s'il te plaît, laisse-moi une chance. Attends, on revient des poules de Kuzu et après je prendrai le foot Swarico Magic. Bonne chance, Kuzu. Let's go, Kuzu. Prochaine. Une Kafka. C'est parti, une Kafka, les gars. Kafka E6, les gars. Kafka E6. Kafka E6. On y croit. Je me rappelle plus, t'es en 50-50 ou pas, Kuzu? Putain, j'ai peur, les gars. Prochaine multi, il y a 3 Kafka. Non, prochaine multi, il y a 3 Kafka. 100%, ok. Et t'as combien de pizzi là? Parce que du coup, j'ai pas du tout compté. Parce qu'il y a Miss qui se foutait de ma gueule là. T'aurais fait pareil. Non, je suis pas comme ça, moi. Oh, n'importe quoi. Je sais plus, ok, c'est pas grave. Bonne chance. Ah ouais, t'avais pas pris tes feux encore. Oh là là, t'es bien. 3 Kafka, let's go. Mais what the fuck? C'est quoi ça, les gars? Même moi, je vais commencer à penser que mon stream, il est maudit, genre. Je pense qu'on va commencer à dire à tout le monde qu'ils fassent plus leur... Mec, les gars, vraiment, on va... c'est bon. Arrête, Kuzu. Il te... Oh putain, mais t'as fini. Non, prends pas ça, c'est nul. Je te dirai quoi, Franck. C'est seul. Les gars, vraiment, le stream est maudit. Non, oui, je pense que putain, vous m'avez convaincu, les gars. Non, mais il y a personne. Personne n'a réussi à voir sur le stream quoi que ce soit. C'est fou. Les gars, mais non, mais... Je me fais stream hack par MioYo, les gars, c'est pas possible. C'est pas possible, les gars. Je suis dégoûté pour Kuzu, je suis dégoûté pour moi, je suis dégoûté pour Red. Mais c'est horrible, les gars, qu'est-ce qui se passe? Ah bah GG Kuzu. Non, t'es bien, tu t'es mis bien là pour le coup. T'as eu le pire compte de lumière de toute la perma. J'espère que t'es fier. J'espère que t'es contente pour le coup. Ah mais j'en peux plus. Oh non, ce stream est maudit. Les gars, je vous permets. Allez mettre un titre. Ce stream est maudit, les gars. Ouais, non, je pense que... Putain, vous avez raison, les gars. Je pense que ce stream est maudit. What the fuck, les gars, mais c'est pas possible. Elle a pas eu, les gars. Même moi, c'est bon là, je suis arrivé à bout, les gars. Aïe. Non mais on a un giga problème, les gars. Non mais arrête, Kuzu, arrête.
Non. Vous savez, non. Arrêtez, les gars. Non, c'est pas possible. Je peux... Non, arrêtez de faire vos poules sur la chaîne, les gars. Non. Je me sens mal pour vous. Du coup, tu rembourses tous les poules. Ouais, c'est ça. Il est fou, lui. J'ai tout vidé, là. Mais t'as tout vidé, genre. Non, c'est bon. On va arrêter les frais, les gars. Ah, c'est pas possible. C'est fou. Ah, désolé, Kouzou. Plus jamais je demande à personne de poule sur la chaîne. Merci de nous avoir montré la voie, Kouzou. Je te laisse dans ta solitude, dans ta blessure. Au moins, dis-toi que t'as au moins une Kafka pour te faire plaisir et que t'es pas trop dans le mal, tu vois. T'es quand même pas tout seul. T'as Kafka avec toi, elle est là. Je sais que t'es en PLS sur ses genoux, mais dis-toi qu'elle est en train de te flatter les cheveux et tout, et qu'elle est là pour toi quand même, toi, ok? Putain. Ah, c'est nimp, les gars, c'est nimp. Oh, c'est pas possible, les gars, c'est pas possible. Oh. Ah, je pense que j'ai un pool. Si je l'ai juste là, les gars, ça veut dire que j'étais vraiment à ça de pouvoir gagner, moi. De miss. J'arrive pas à y croire que j'ai perdu miss. C'est fou. Je suis trop deg. Stop. Arrêtez tout. C'est l'heure de tourner au carrousel. Non, pas du tout. Je sais, haricot magique, je sais, j'ai capté, les gars. Bam, vas-y, pour me venger. Merci, ça me fait plaisir. Je vais tout dégommer, putain de merde. Non, j'ai eu un haricot magique épicé. Bonjour Enchichi, ça va bien? J'essaie de pas parler de froid. Tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que j'ai mal pris ce que tu m'as dit hier, mais c'est pas du tout le cas, man, Chichi. Juste, en fait, je suis choqué d'avoir appris ça sur moi. Donc, j'espère que tu vas bien. Ça va et toi, gentil peps? Bah là, pour le coup, je viens de perdre un pari. J'avais parié avec ma miss que, entre elle et moi, qui allait avoir en premier Fake Xiao, et c'est elle qui l'a eu. Du coup, je vais être obligé de faire la vaisselle ce soir. Du coup, je suis dégoûté. Je sais, non, mais il y a plusieurs. Il y a Kouzou aussi, elle dit qu'il est pareil en écrit. Les gars, je suis... Évidemment, c'est pas Fake Xiao. Évidemment, pourquoi ça aurait été Fake Xiao? Évidemment, pourquoi on me l'aurait donné? Pourquoi on me l'aurait donné? À part un haricot magique, qu'est-ce que je mérite aussi? Hein? Évidemment! Je pense que ça va partir sur ZZZ, les gars, je vous avoue. Ouais, c'est fini ici, il n'y a plus rien. Ah les gars, je suis dégoûté. Mais c'est que à l'écrit, t'inquiète. Ah mais oui, j'imagine bien pour le coup. Enlève la roue. Non, je veux la laisser là. Je veux la laisser là juste pour que vous rappeliez qu'il faut que je le prenne parce que si je l'enlève, je vais oublier instantanément, tu comprends? Peps, mon message, j'ai bien fait de fuir pour mes poules. Imagine, j'avais pas Black Swan. J'aurais été tellement dégoûté. Les gars, ne faites plus jamais vos poules sur ma chaîne. Ok, c'est bon pour vous. Ne faites plus jamais. Si vraiment vous voulez faire vos poules sur ma chaîne, les gars, c'est que vous êtes des détraqués et que vous êtes vraiment le genre de personne qui aime le risque. Je vous le dis d'avance, les gars. C'est pas ça que je vais faire. Qu'est-ce qu'elle a fait? Je l'avais épinglé son message, puis je voulais le T'as supprimé son message! J'ai épinglé! Elle voulait épingler ton message, Étoile. Elle voulait pas te supprimer. Étoile, t'inquiète. C'est pas ce que tu crois.
C'est pas ce que tu crois, c'est qu'une petite touche de bipolarité, ne t'inquiète pas. Bonjour Mika, bienvenue à toi. Salut, qu'est-ce qui se passe? Bah on vient d'officialiser que le stream il est maudit. Puisque ça fait 6 mois environ que tout le monde part, tous leurs 50-50, ils n'arrivent pas à avoir les 4 étoiles qu'ils veulent, ils n'arrivent pas à avoir rien de ce qu'ils veulent quand ils font leur pool sur la chaîne. Alors je pense que c'est officiel, le stream est maudit. Donc c'est la merde, c'est la merde. Bon les gars, je vais prendre mon Rico magique, j'ai compris. Ah, j'étais complimenté sur ta vibe de fou, j'ai adoré hier, mais merci Renchichi. Non mais t'inquiète, comme je le dis, je le prends pas du tout mal ce que tu m'as dit, au contraire. J'adore qu'on me dise ce genre de truc parce que je sais ce que j'ai à travailler derrière, tu vois, c'est trop bien. Et c'est juste, je suis choqué parce que j'aurais vraiment pas cru ça pour le coup Renchichi. Parce que depuis maintenant des années, je fais vraiment exprès de mettre un emoji à chaque fois quand j'écris et tout, et quand tu m'as dit ça, j'étais en mode, quoi? En moi, ça a vraiment fait... Mais comment c'est possible? Mais t'inquiète, j'ai imprimé l'info, j'ai capté et je vais voir, je sais pas comment faire pour... Comment on fait pour pas paraître froid en écrit les gars? Je veux dire... peut-être mettre des emojis feu hein, entre chaque message. J'en peux plus. Oh les gars, je suis dégoûté. Cette journée se passe tellement mal. Les émotions, comment ça marche? C'est quoi? Bah ouais, Miss. Tu connais pas Miss? Tout le monde connaît Miss. C'est la Miss. Tu vois, c'est celle qu'on entend sur le stream souvent parce que je suis ventriloque et depuis le début, elle est dans ma tête. T'inquiète. C'est vrai, Miss. C'est vrai, Miss. Désolée, je ne comprends pas l'émotion. Froid. Ta gueule, tu casses les couilles. Oui, non, mais oui, c'est ma copine. Je ne connais pas cette émotion. Émotion non détectée. Ah, mais j'en peux plus. Tout va bien. Désolée, je suis skiée, je suis en pourrie. Non mais moi aussi. Oh, j'en peux plus. Rico magique. Mais je sais, j'ai déjà tourné le carrousel. Oh. Non, non, Lee, tu vas voir. Miss, si tu es retenu contre ton gré... Hurle. Quoi? Oh! Je
pensais tous que t'es quelqu'un de froid. Oh my god. J'ai rien pour faire du feu, les gars. À part. On dirait que j'essaie d'appeler un chat. Bon, je suis obligé de prendre un haricot magique épicé, les gars. Alors, même si je suis... peu importe à quel point je suis froid, vous allez voir à quel point je vais essayer de me réchauffer, les gars. Ça va être méga... Merde. Et où ? Voilà, vous voyez qu'il est noir, mais il est pas noir, les gars. Ok, je sais, c'est un peu choquant. Mais c'est un haricot magique épicé. Sachant que dans les haricots magiques, il y a des piments concentrés, genre le Carolina Reaper, qui peut être vraiment, vraiment très intense pour le coup. J'ai peur, mais je pense que ça va réchauffer un peu mon esprit pour le coup. Alors voyons voir. Après, je vais essayer d'écrire, voir. On va voir, les gars, ok? Attends. Je vais mettre la manette de côté, les gars, et après, j'essaie de vous écrire un truc, ok? C'est parti. Bon appétit à vous. Ah, oh merde, il m'a fait mal lui. Ça m'a lavé. Ah, il m'a fait mal lui. Ah, oh, j'étais pas prêt. Ah. Oh my god. Non, mais arrête de faire. J'ai failli recracher mon dos au cousin. Attendez. Oh. Alors là. Oh. Oui, oui. Oh, je sais, serveuse. Je sais, t'es toujours là pour te foutre de ma gueule, toi. Oh. Je vous avoue, les gars, ça m'a fait tellement mal d'un coup. Je pense que ça faisait longtemps que je l'avais pas pris, du coup. Du coup, je l'ai avalé quasiment instant. Ça m'a fait trop mal, one shot, je l'ai avalé. Du coup, je pense que... Je sais pas si je vais être chaud à l'écrit ce soir, les gars, mais je vais être très certainement chaud aux toilettes, pour le coup, tout à l'heure. Alors, je vous... Non, j'allais dire, je vous laisse imaginer. Non, peut-être pas, mais genre, juste... Non. Merde. Ah, parle avec une voix de fille plutôt. Quoi? Je peux tester, hein? Je peux tester, attends. Oh, Ketchup! Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Ou pas. C'est peut-être pas une bonne idée aussi. Oh, je peux la jouer, les gars. Je peux la jouer. Les gars, j'ai vraiment envie de tester ça, en fait. Vous croyez que je me fais déglinguer ou pas? Ce serait drôle en vrai. Burk, la Kafka de Oyo, elle est nulle. Je te crois, 100%. Pour la prochaine utilisation, leur ult, nanana. Ok, on va. En vrai, ouais.
Vas-y, on va mettre ça. Et d'ailleurs, reçu par la cible augmente de 10, ce qui mène jusqu'à 4 fois. Vas-y. Putain, il m'a flingué la gorge, ce haricot magique, les gars, je vous avoue. Je sais pas si j'ai bien fait, mais je suis parti sans healer, sans perso de survie, les gars. Vous croyez que je me fais déglinguer ou pas? Je suis en train d'essayer la compo record de dégâts, carrément, en mode normal, quoi. Contre des poubelles, carrément. Non, en plus, les poubelles, ils font très mal, normalement. Vous croyez que je me fais tuer ou pas? Ah, c'est bon, tu l'as eu, t'es plus obligé de te dépêcher, hein, miss. Ouah, vous m'avez fait trop rire, les gars. Bon, allez. Je fais ce combat. Je regarde si je peux faire un pool. Et après, on va sur ZZZ aller faire les pools ZZZ, les gars, ok? C'est parti! On va crever. On va crever. 100% on va crever. Ah, j'en suis à un point où je veux faire mes purifications alors que je ne les ai jamais fait. Oh, pour gagner quelques vœux, j'imagine Kuzu. Ah ouais. Il y a les mémoires du chaos aussi qui se sont restart cette semaine, miss. Donc c'est beaucoup beaucoup de vœux que tu peux récupérer très rapidement pour le coup. Stéphane, si par chaud, tu veux dire que je veux faire meumeuse et éclater mon record de marche, oui. Et pourquoi tu penses que tu vas éclater ton record, Riri? Pourquoi elle fait pas son ult? Je comprends pas. Pourquoi elle fait jamais son ult? Ah non, parce qu'elle l'a pas encore. Ah, je viens de comprendre. Yo, Lief, comment ça va? Pour avoir... Oui, ok, ouais. T'as vu? J'ai pas de perso de survie, les gars. J'ai très très peur. Dans un monde, je me fais totalement tuer. Hein. Ah ouais, je pense que je vais mourir, les gars. Chava, merci. Je viens de me prendre un haricot magique épicé, moi, Lief. Pour avoir des vœux, il y a aussi l'amélioration des US. Zvarok, pourquoi tu disais que t'allais quitter tout à l'heure si je faisais l'event? Peps, la E6, suprématie. Ouais, la E6, elle est incroyable pour le coup, je sais, j'ai vu. La E6, c'est n'importe quoi, elle est trop forte. Trop hâte qu'on puisse pull une poubelle. De fou! De fou, même si ça arrivera jamais, ce serait trop trop cool qu'on puisse le faire pour le coup. Hein. Pourquoi je vais mourir? Je vais crever là. Je suis pas d'accord là. En fait, je viens de capter que le PC il est con parce qu'il a attaqué tout le monde sauf ceux qu'il fallait que j'attaque, les gars. Je vais jouer moi-même, les gars. Clac. Pourquoi je joue clavier souris, moi? J'ai une manette. J'avais oublié. Oui, mais tu me l'as donné, tu te rappelles pas? Ah merde, putain, je suis obligé de faire attaque normale. J'ai mal calculé, les gars. Clac, voilà. Clac. Oh, je lui fais zéro dégâts. Pourquoi je lui fais zéro dégâts comme ça? C'est horrible. Mais je fais vraiment zéro dégâts. Pourquoi? Pep, je te l'ai dit que la E6 est folle. Tu m'avais dit non, pas si fou que ça. Mais tu me parles de quoi? Attends. Là, je parle de la E6 de Fexiao, moi. La E6 de Fexiao, elle est incroyable. Ah non, tu me parles de... Attends, toi, tu me parles de March. Ah, je me rappelais plus. Ouais, je me rappelle... Non, je me rappelle pas de la E6 pour le coup de March. Je sais pas du tout. Ah, mais tu peux déjà pull une poubelle, il y a Sampo pour ça. Oh, c'est méchant ça. Tu sais que c'est un des persos préférés de mon fils en plus, et toi tu dis ça, Lief, vraiment.
Mais non, la E6 de marche, ouais, je viens de capter, ouais. Ok, ouais, juste moi qui va pas l'avoir la E6 de marche. bah il a le droit, t'inquiète. Ah non, mais non, mais j'ai fini complètement l'autre event. Oui, oui, je vais pouvoir l'avoir la E6 de marche, quoi. Je crois même que je l'ai là. Ok, d'accord, ici je peux pas faire le truc, c'est pas grave. Au moins on fait la compétence. Miss va s'amuser ce soir, commence. Ah oui, ouais, elle va être tranquille, t'inquiète, hein. Elle va être tranquille, Miss. Ouais, tu t'es rendu loin, ouais. On était en stress quand même. Putain, les gars, j'arrive pas du tout. Oh, ah, je vais perdre, non. Je vais me faire battre. Juste parce que j'ai pas de healer. C'est horrible. Parce que j'ai pas de perso de survie, les gars. Aïe 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 aïe. Est-ce qu'il faut que je tue que la poubelle jaune ou je dois tuer tout le monde? Je regarde que le chat, en vrai je suis le stream Asano, j'ai juste le son et le chat ici. Ok, je comprends Svarg. Ouais, vas-y, comme ça, bam. Ah non, je viens de le faire. Compétence de Sparkle, s'il te plaît. Oh, mais non, mais je vais me faire tuer, les gars, c'est horrible. un de mes designs de perso préf vient de Nadim Ozeftiar. C'est lequel? C'est lequel, Lief? Ok, Wanmei, elle est morte. C'est pas grave, t'inquiète, ça va le faire quand même. Pas Silver Wolf, s'il te plaît. Non, pas Silver Wolf, pas Silver Wolf. S'il te plaît. Et encore moins Fexiao. Sinon, je suis dans la merde. Ah non, je pourrais pas faire compétence. Ah non, j'ai perdu 100. Ah non. Ok, j'ai compris. Je bats en retraite et je vais une vraie team. J'ai compris, les gars. Putain, mais ça casse les couilles aussi, genre. Bah oui, non, bah j'ai essayé de partir sans perso de survie. Ok, vas-y, on va changer d'équipe pour le coup. On met qui on enlève... Ouais. Waouh. Ouais, ouais, les gars, on va partir comme ça, je crois. Vas-y. En vrai, je lis même plus tes messages parce que tu mets truc machin, Riri. Je lirai même plus tes messages comme ça. Dis son vrai nom et je vais lire ton message. Final Fantasy Unlimited avec Kaze. Je connais pas pour le coup. C'est dommage, hein. C'est triste, Lief. Je connais pas du tout. À chaque fois que j'essaie de jouer un Final Fantasy, je décroche un instant. Je sais pas, j'accroche pas du tout à leur univers pour le coup. C'est pas vrai, Riri, c'est pas vrai. Ah là 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 là. Ah non, j'ai pas encore la compétence, pas grave, vas-y. Ok, au moins là c'est bon, je vais être tranquille avec mon bouclier, les gars. Par exemple, on n'a pas la possibilité de lui mettre une faiblesse à la poubelle? Pourquoi j'ai fait 0 dégâts? Je comprends pas. Je comprends pas le combat, les gars. Ah, tu lis déjà mes messages? Non, c'est bon, j'ai lu, c'est un anime. Ah oui, non, c'est vrai! Ah oui, merde, c'est vrai, tu me parlais d'anime. Du coup, parce que je pensais à Final. Ah, j'ai vu un film Final Fantasy que j'avais bien aimé une fois, mais je me rappelle même plus c'est lequel pour le coup, Lief. Qui sait, c'est peut-être carrément celui-là et je me rappelle plus, Lief, ça se peut, hein. Peps, la E6 de marche et 50% de DC sup après son ult. Ah, ok. Ah ok, bah ouais, bah c'est bien, mais non, j'aurais cru que ça aurait été mieux en vrai. Mais c'est normal, c'est une 4 étoiles, c'est pour ça non plus, ils peuvent pas faire une E6 genre aussi forte que... ils peuvent pas faire une E6 aussi forte que Ruan Mei ou Aventurine ou Fexiao, etc. Genre, ce serait trop fort en vrai.
Mais non, ça reste très très fort pour un 4 étoiles pour le coup. Ah, celui-là, tu l'as lu peut-être. Oui, non, t'inquiète, j'ai lu là. Je pense pas, le film, ça doit être celui avec Cloud sur Final Fantasy VII que t'as vu. Ça fait longtemps, hein. Ça fait vraiment longtemps. Je crois que ça fait une dizaine d'années que j'ai vu le film que je te parle, Lief. Ouais, c'est une 4 étoiles 100% gratuite, c'est déjà fou. Non, mais c'est ça, exact. Pour une perso, 4 étoiles 100% gratuite et tout. Non, non, c'est trop fort pour le coup, clairement. Ok, on reteste. Coup de hache. Bam. Je me rappelle plus c'est quoi qui fait le ça là. Je me rappelle plus du tout c'est qu'est-ce que ça fait les gars. Pourquoi? Attendez les gars, pourquoi ça me... Ah, infliger une rupture de faiblesse à la machine de produire une masse, déclencher des moments de gloire pour obtenir d'importantes quantités de points d'engouement. Ah, mec, j'ai pas compris ça, j'avais pas capté. Ah, mais je suis en train de perdre le combat en fait, je viens de capter. Merde, je vais perdre. Ah, mais je vais perdre les gars. Ah, tu me parleras de bon Zedalon quand tu auras plus gros record de dommage avec ta Silver Wolf que moi avec ma March. Bah, je te rappelle que March une DPS, Silver Wolf, non. Ou non, March une DPS, non, c'est une sub DPS. En vrai, sub DPS. Je go manger, bon appétit à toi Kozu. Aïe 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 aïe. Non c'est bon. Bam. Ok. Je rejoue toujours deux fois en fait, je viens tout juste de comprendre ça. Ma sub DPS, c'est le vrai sub DPS en E4, donc t'as zéro excuse. Non, j'avoue, c'est vrai. Je sais plus si j'ai un record de dégâts pour Silver Wolf que j'ai gardé, qui était plus. Parce que ce que je fais souvent, c'est que les records de dégâts que j'ai là en ce moment, des fois je fais ça, je les laisse plus bas que ce que je peux faire. Et je fais plus, mais je les garde en vidéo pour si quelqu'un me dépasse, bah j'ai direct l'autre vidéo, genre. Comme là, bah j'en ai trois. Trois persos, deux persos, ou est-ce que tranquille, quoi. Mais du coup, ouais, il y a plusieurs de mes persos, j'ai plus que qu'est-ce que tu vois là, quoi. Ok, vas-y. Est-ce que l'attaque normale aussi lui donne un cumul à Infectiao? J'ai pas vu, je vais tester après. On a testé avec Zitrix et son Gallagher juste pour voir si c'est plus intéressant de la break pour faire plus de dégâts et au final non. Avec Fexiao, non je crois pas. Ouais, ouais je pense pas que ça aurait été intéressant. Tu vas avoir un March tapé de 600-704, tu vas avoir flou. Ce serait cool en vrai, ce serait vraiment stylé pour le coup. Déjà le truc de Silver Wolf, je l'ai fait avant d'avoir Unmei et Sparkle. Là je pense que j'y vais avec Silver Wolf avec un bon build, parce que là pour le moment j'ai plus de bon build parce que j'avais enlevé mes pièces quantiques. Une fois que je vais avoir un bon build, je pense que ouais je vais taper au moins 100 ou 204 plus pour le coup, hein, clairement. Vas-y, on va faire rejouer Fexiao.
Clac. Ah ouais, c'est vraiment ça qui est intéressant. Ok, je comprends les gars, j'étais vraiment en train de mal jouer mon combat. On a tellement dépassé les gars. Après on va aller sur ZZZ, ne vous inquiétez pas les gars, on va aller faire des poules. Clac. Ah, il est quand même un peu mort lui, hein. 213 de dégâts sur sa prompte. Cocolia, 40% de résistance au vent, sachant que la E6 de Fei Xiao augmente de 20% les pénétrations de Rez, elle reste quand même à 20% de plus. Ok. Ah, je savais pas qu'elle avait une résistance vent, Cocolia. Ah merde. Du coup, ses dégâts vont être relativement petits normalement. Ah ouais, non, c'est ça. Si je fais pas la compétence, ça me donne pas de cumul. Ah, ça, ça pète les couilles pour le coup. Hein. Bon allez j'y vais, des bisous, bonne soirée à toi Roux, passe une bonne soirée, une bonne nuit. À part ça, tu sais que March et Fei Xiao sont bien ensemble et encore joyeux anniversaire à Roux, j'espère que tu as su bien profiter de ta journée. C'est vrai que j'ai oublié de te demander si t'avais fait un truc spécial aujourd'hui au final. Tu me diras si t'as le temps avant de partir. À part ça, tous les marchés et Fexiao sont bien ensemble. Pourquoi déjà, Riri, je me rappelle plus ce que March fait pour le coup. Ouais, non, j'ai pas besoin. Ouais. Je savais que j'allais là-dessus de toute façon, alors j'avais pas besoin de taper avec Aventurine. L'attaque de Suvi qui l'a niqué, trop bien. Et il vient de se passer quoi là? Il m'a quasiment one shot, il s'est passé quoi? Comment il a fait? Les gars, je vais crever, ma Silver Wall va crever, mais comment? Comment c'est possible? Dans quel monde? Ouais, vas-y, on va le tuer. Ah, c'est comme ça. D'accord, ok, je viens de comprendre. Je viens de réaliser, mon aventurier, il a jamais eu son ult depuis le début. C'est quoi ce bordel? Ah oui, ok. Oh oui, une fois qu'il est break, il est super facile à battre en fait. Ah coucou, une résistance imaginaire et je claque du 1 400 000. Ah ouais, là, il y a une résistance imaginaire sur Cocolia, t'es sûr? Attends, parce qu'elle peut pas avoir une résistance glace, imaginaire et vent. Elle peut pas avoir 3 résistances. Elle a 2 résistances au max, non? Ah, car ça fait full attaque de suivi, je teste, tu arrêtes jamais de jouer. Ouais, je vois. Ah, c'est cool ça, en vrai. C'est très cool. Quelqu'un peut me rappeler, c'est à combien la soft et la hard? La soft pity, normalement, c'est 75 de pity, on m'a dit, Azu. Là, du coup, c'est bon, là. J'ai mes points. Je vais pouvoir aller faire mon dernier pool, on est d'accord? Oh, s'il te plaît, faites que oui. Oh merde, y a pas. Ah, j'ai pas gagné. Oh non, j'ai pas gagné de primo, j'en peux plus. Vraiment là, j'ai pas gagné de primo, les gars. Je suis désespéré. Yes, y a une raise imaginaire, mais moins importante que le vent physique et glace. Ok. Ouais, je vois. Peps a une intelligence imaginaire, très imaginaire. Merci, étoile. Ah merde! Ah non, les gars, j'ai pas mes... Putain, je vais mettre la CB, les gars. Vous avez vu, à chaque fois je suis silencieux.
À chaque fois. Bon, vas-y. Attends. Aïe, 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 aïe. Même pas pour un pass d'appro... Ah, vas-y, enfin, mais c'est bon. Ah, let's go, let's go, let's go, enfin, let's go! Ah, j'étais pas loin de toi, en vrai. Putain, j'étais à ça, les gars, de pas avoir à faire la vaisselle ce soir, les gars. Aïe, 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 aïe. J'étais à ça, les gars, de pas avoir à faire la vaisselle ce soir, les gars. Oh ah, mais je l'ai, je suis trop, trop content pour le coup. Non, mais la mienne est belle. Je sais. Moi, je l'ai pas lu sans prendre de lumière. Bah, évidemment, il fallait l'acheter. Il fallait le pool. L'acheter. Fallait le pool. L'acheter. Fallait le pool. L'acheter. Elle est insupportable, ma meuf, les gars. J'ai, je vous la donne, hein. T'étais en garantie. Ouais, j'étais en garantie. J'étais en garantie, ouais. J'ai pas beaucoup, malheureusement, pour la montée, les gars. J'ai pas de ressources. On va aller faire vite fait... je vais vite fait faire ma résine, ma puissance de pionnier, parce que bah, derrière, ce serait un peu dommage de niquer ma puissance de pionnier et de ne pas l'utiliser. Alors, je vais la faire vite fait. Clac. Vas-y, on va la faire avec ça. On va se dépêcher. Oh my god, je mangeais GG, merci Renchichi, merci pour le GG, je viens tout juste de l'obtenir. Après, j'étais à... Je l'ai eu quoi, 60, 76 de pity, les gars. 76 de pity, je l'ai obtenu, les gars. J'ai vraiment... je sais pas, est-ce que c'est de la chance ou pas? Tu vas pull le compte? Non, non, pour moi, le compte de lumière de Dr. Rassu, il est mieux. Pour ce que je veux faire, pour le coup, et avec mon équipe. Ah, surtout il va falloir que je farme il va falloir que je farme toutes ses ressources parce que j'ai zéro pré-farm pour elle. Il va falloir que je farme son nouveau set parce que bah du coup le set je l'ai jamais farm. Faut absolument que je le farme parce que oui son set ce sera pas du tout le quantique puisque j'ai plus besoin de death break. J'en ai trop déjà. Donc ouais j'ai pas le choix hein. Vas-y on va faire deux ou trois fois hein. Au moins c'est vite fait. Là, l'objectif, on va aller sur ZZZ dans Palom. Et notre objectif, c'est d'aller récupérer l'arme de Jendu, les gars. 67, c'est early. Non, 76 de pity, pardon. J'étais à 76 de pity quand je l'ai obtenu. T'as Zelda, non? Non. Pourquoi? Ah non! Ah non, jamais! Ah non, non! S'il te plaît, Renchichi, respecte un peu. Non. Pour tous les fans de Zelda. Non, non, c'est une tasse de Halo. C'est une tasse de Halo. C'est la vie, quoi. Zelda, ça a l'air beau et mignon et tout, tu vois, mais... Mais Halo, quoi. J'avais mal vu. Oh my god, ça aurait pu. Non, mais surtout qu'elle est verte. Alors, il y a un peu l'effet Murvar à cause de Murvar du coup. Parce qu'elle est verte. Elle est vraiment verte pour le coup. Je suis même surpris que vous elle soit pas totalement transparente. Hey, j'ai une copine. Elle est fan de Halo. Ça c'est bien. Putain, ça c'est trop trop bien, Renchichi. Hey, Halo c'est. Allo, c'est... Tu vois, j'aime beaucoup Honkai Star Rail, mais dis-toi qu'Honkai Star Rail, c'est à 1% du plaisir que je peux avoir, de tout le plaisir que j'ai pu avoir sur Halo, pour le coup. C'est vraiment à des années-lumière, pour le coup. Ah, alors tu fais la E0 en 50-50, donc au pire, ça fera 5 étoiles, donc 11 fois 80 environ, donc 880 vœux et 41 le pack. Et 100 balles, ça fait 21 packs. Et le pack du début, ça fait 20 packs, donc 20 fois 100, ça fait 2K. Tu veux mettre ça dans le jeu? J'ai pas besoin de mettre de l'argent dans le jeu, t'inquiète, je vais économiser comme tout le monde, Riri. Hein. J'ai pas besoin de mettre de l'argent dans le jeu. Bah, je mets de l'argent, je battle pass et le truc, le pass, comme d'habitude, tu vois, mais... C'est pas énorme, hein. J'ai pas besoin de plus que ça, en vrai. Imaginons, on a une back-to-back, en vrai. Pourquoi je vois pas? Attends.
Ah, je me rappelle plus comment faire le truc. Tu te rappelles, toi, Étoile, tu te rappelles comment faire le truc? Je me rappelle plus. Il y avait un truc. Je me rappelle plus. Attends. Tu sais ce que je suis en train de faire. Tu sais très bien. Espèce. Kuzu qui fait pas son taf là. Non. T'as pas vu je pense Kuzu. Comment ça va? T'as bien mangé pour le coup? T'as mangé quoi? J'ai pas eu de back to back le gars, je suis triste. Ah, je me bats avec les jades. Comment ça, tu te bats avec les jades? Mais pas de foi, on douille. 2 heures plus tard, toujours pas sur ZZZ, ni crâne. Non, mais t'inquiète, on y va bientôt. T'inquiète, regarde, on prend juste un petit moz là, vite fait. Oh, c'était vrai en plus, incroyable. Oh, c'était vrai en plus. il voit même pas mon message. Comment ça? Ah non, j'ai pas vu ton message pour le coup. La censure de Peps, 100%. C'est bon, vous êtes content. On y va les gars. On est sur ZZZ depuis tout à l'heure, vous avez juste pas remarqué les gars, t'inquiète. Merci pour le bio, ça fait plaisir. Hein. du coup, le ski, non ça c'est bon, j'ai mis le haricot magique, j'ai fait, ok tout est fait. Je suis le seul à avoir mis 0 depuis le début, serait-ce ça? Je me pose la question, j'avoue, qui a déjà acheté sur le stream? Répondez tous dans le chat les gars. Sur Honkai Star Rail, combien d'entre vous ont déjà acheté des packs de primo de Jade Stellar? Combien d'entre vous ont déjà acheté des packs de Jade Stellar? 2 packs à 100 balles et 8 faveurs. Aïe, aïe, aïe. Non, 8 faveurs, ça va. Non, c'est normal, en vrai. Les 8 faveurs, je trouve que c'est normal. T'as mis 0 sur HSR. Même pas une faveur, même pas rien du tout, Kuzu. Full free to play ici, rien du tout. What the fuck? Mais comment vous faites, les gars? Le jeu est trop bien pour pas mettre de l'argent. J'ai jamais acheté, mais Fexiao va peut-être me faire changer d'avis. Oh lolo, jamais? Même pas une petite faveur, même pas un petit battle pass, Xitrix? Prends ton Ah merde, t'as raison. Vas-y. J'ai vu le troll, les gars. J'ai vu le troll, on va faire des vœux sous forme de troll. On va faire des vœux sous forme de troll. C'est parti, nous allons poule la boule à les boules de Jendou. Vous allez voir qu'on va obtenir sa grosse boule. Ce sera incroyable, nous allons l'obtenir, ce sera trop bien. Non merci, je veux quitter ça les gars, comment je fais? X, ok, vas-y, bam, ça je peux le récupérer, merci, bonsoir. Donc là, qu'est-ce qu'on veut? On veut faire des poules. Mais avant d'aller faire les poules les gars, qu'est-ce qu'on fait? Oui c'est vrai, je devrais mettre le compte à rebours, ce serait déjà une bonne idée.
Ok, c'est parti pour 5 minutes de troll, les gars, c'est maintenant. Malheureusement, pendant le troll, je vous rappelle que je ne peux pas vous lire parce que malheureusement, c'est des lunettes de simulation d'alcoolémie qui me fait voir flou, ondulé et en double, donc je vois rien. C'est génial. On part, les gars, sur giga, truc, paramètres, manette, voilà, accepté, c'est parti. Je commence à connaître le jeu par cœur, je suis content. Je commence à vraiment bien connaître ZZZ. On part sur la boule de... comment ça s'appelle déjà ? Jane Doe. C'est parti pour obtenir des boules. Merde. Ah, j'y croyais, j'avoue, j'y croyais, les gars. Fais chier. Oh, j'ai eu 3 ? J'ai eu 3 ? 4 ? Je sais plus. Trop bien ? Ah non, merde, j'ai fait esquiver. Ah merde, je vois rien. Je sais pas ce que c'est, les gars. Je suis dégoûté, je vois rien. Est-ce que j'ai encore une multi ? Non, j'ai pas de multi. Donc, on va faire des vœux. Imaginez, on a... Non, ce serait vraiment bien qu'on ait son arme, pour le coup. Hein. Je serais trop content, pour le coup. Ok, ce sera pas celui-là. C'est pas grave. Vas-y, bam. La prochaine. Pack. Merde, allez, s'il te plaît. Non, mais non, j'aurais pas de chance ici non plus, t'es sérieux? Non, mais s'il te plaît, l'arme de Jane Doe, je la veux. S'il te plaît, donne-moi la... Oh merde. Ça veut pas, ça veut vraiment pas. En fait, le jeu ne m'aime pas, les gars. Le jeu ne m'aime pas, les gars, ok? C'est pas un A que je veux. Je vois même pas ce que j'ai eu, les gars. C'est même pas ce que j'ai eu. Ah merde. Non. S'il te plaît. Non. Mais le jeu. Allez, s'il te plaît. Ah. Quelque chose me dit que j'ai plus de vœux, les gars. Je sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit que j'ai plus vraiment beaucoup de vœux. Ok, j'ai pu en obtenir un ici. J'espère que j'ai acheté les bons pour le coup. Vas-y, c'est parti. J'ai eu quoi? J'ai rien eu? Ah non, B, ok. Ouais. Ok. Bah oui, pour ma pomme les gars, j'ai perdu. J'ai perdu, les gars. J'ai officiellement perdu. Je suis officiellement dégoûté pour le coup. J'ai pas eu la boule de Jane Doe. J'aurais beaucoup aimé l'avoir. Nous sommes à 1 minute 45 environ de compte à rebours qu'il reste, les gars, pour le troll. Donc je peux pas encore vous lire, mais bientôt. Je sais que vous êtes désespérés, je sais que ça vous casse les couilles que je puisse pas vous lire. Et même moi! Je sais pas pourquoi je mets ça, je sais pas pourquoi il y a cette récompense de merde. Mais, est-ce que quelqu'un est capable de me dire, les gars, comment on fait pour aller faire les abysses de ce jeu? Je sais pas c'est quoi les abysses de ce jeu et j'aimerais les faire. Je crois que je les ai fait, mais je suis pas sûr. Quelqu'un est capable de me dire, pour le coup, comment on fait? Ça doit être dans Compendium. Ouais, ça doit être là, j'imagine. Mais je crois pas que ça soit ça. C'est peut-être ça. Ouais, ça, en vrai, c'est peut-être ça. Ah ouais, je vois rien du tout. Oh, putain. Aïe, je me suis flingué le doigt. Chasse aux infâmes. Néantre zéro. Je pense que c'est Néantre zéro, non? Je suis pas sûr, mais je pense que c'est Néantre zéro. Je vais essayer de me TP là-bas. On va voir, les gars, en vrai. C'est peut-être ça. Il nous reste 30 secondes, les gars. Est-ce que c'est ça? Ah non, ça, c'est le monde ciblé, je crois. Putain, je sais plus. Je veux faire les abysses, les MOC de ce jeu, les gars. Merde. Je sais pas du tout si c'est ça, en fait. Je vois pas assez bien. Non, je vois vraiment pas assez bien pour le coup. Je vais être obligé d'attendre de terminer le truc mouche.
C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est fini. Ah, ok. Ah. Rebonjour, comment ça va? Vous allez bien? Oh! Oh, la pause pub! Ah, on a une pause pub, les gars. On a une pause pub. Ah, c'est par protection de je sais plus quoi, ou un truc du genre, je crois. Alors tu as à dire que toi, Peps, t'as pas de chance et que le jeu te déteste. Je dois te rappeler que moi, j'ai même pas Jane. Ouais, mais tu vas la drop, Jane. C'est pas grave, Riri. Après, je joue pas au jeu, alors je saurais pas te dire. Putain, mais Red, tu te fous de ma gueule! Il me casse les couilles! Il arrête pas de me mettre troll après Deadpool, après troll, après Deadpool, les gars. Mais toi, tu connais bien le jeu, Red. C'est quoi les abysses du jeu? Tu peux me dire? Est-ce que c'est ça? Je pense que ça, c'est plus le monde simulé, non? Ah, c'est pas ici, les abysses. Ok, c'est pas ici. Attends, je fais B, alors. C'est ça, peut-être? Ah ouais, c'est peut-être ça. Et ça, ça se restart ou pas? Non, non, ça, ça se restart pas. Ouais, c'est ça, ok. Vous croyez que j'y arrive? Ah ouais, mais ça a l'air compliqué, les gars. Ça a l'air très, très difficile. Attends, non, 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 avant d'aller faire ça, vite fait. C'est vrai, je dois essayer d'aller chercher là les... Ah, mais c'est juste ici à côté, c'est vrai. Les CD. Faut encore que je poursuive d'essayer d'avoir les CD là, ceux-là. Alors je vais faire quelques combats avec mon équipe et après on verra pour le coup. C'est vrai, j'ai oublié de mettre le compte à rebours malheureusement. Ah c'est là, je sais que c'était un truc genre protection, bah cette défense, j'étais pas si loin. Effectivement Svarog, t'étais pas si loin en vrai. Donc, dites-moi en vrai de vrai. Est-ce que on fait que 15 minutes de ZZZ et après on part poursuivre le let's play? Ou on y va avec un peu plus de ZZZ aujourd'hui les gars? Je suis tellement concentré quand je joue à ZZZ quand même. Ah oui, 15 minutes de ZZZ, oui, let's play. Je peux lâcher depuis que j'ai pull Jen. Je regrette d'avoir lâché 16k primo pour ça. What the fuck? Ah ouais, dommage, le jeu est tellement bien en fait. Le jeu. Bah non, mais le jeu a toujours été bien, mais je trouve ça bien en fait que. Plus tu avances dans le jeu, plus ça devient intéressant. Et c'est pas genre, plus tu avances dans le jeu, plus c'est bof, tu vois, ou que ça stagne. Non, il y a vraiment une évolution au niveau de... Et il y a des trucs que tu découvres parce qu'il faut que tu évolues dans le jeu. Il faut que ton compte évolue. Il faut que ta façon de penser évolue pour tes builds, pour tes équipes et tout, pour pouvoir progresser dans le jeu. Et ça, je trouve ça intéressant. Et c'est pas tant une question de compétences parce que je suis vraiment aussi nul qu'au début. Juste, il y a des trucs que j'ai captés et du coup, c'est plus facile un peu, quoi. Là, je vais vous laisser, moi. Je vais aller manger. Bon appétit à toi, Svarog. Par exemple, j'arrête pas de... Ça fait une semaine, les gars, que je farme les CD rouges. Ça fait une semaine que je n'ai pas de CD rouges. J'ai vraiment pas de chance. C'est fou. Pour dire, j'ai commencé à rejouer sur mon premier compte avec LNC1. What the fuck? Je viens de réaliser, vous avez pas le son là en fait. Vous avez pas le son de jeu, les gars. Je vais vous mettre le son. Personne me dit. Vous êtes des fous, les gars. À chaque fois, je trouve malade quand vous. Vous me dites pas qu'il n'y a pas de son, genre. C'est des trous. Ah non, défense. Non, non, plus la merde. Ah non, c'est vrai, c'est un 3. C'est un CD3. En vrai, il peut être bien. C'est possible, il peut être peut-être bien. Je vais le verrouiller pour le moment. S'il y avait le son, vous aviez vraiment le son? Ok, c'est bizarre.
Parce que là, je l'ai mis. Il n'était pas mis, pourtant. C'est très, très bizarre si vous aviez le son. Il y avait le son, c'est trop bizarre qu'il y avait le son, parce que pourtant vraiment sur mon moniteur, déjà je voyais pas le son, mais en plus il était pas activé genre, alors je vois pas comment, c'est trop bizarre, je comprends pas quand ça fait ça en vrai, c'est trop chelou. Ok, non, celui-là il est vraiment pas fou. Et par exemple je vais bientôt monter à niveau d'interne 40, c'est trop bien les gars. Je commence à bien avancer sur mon compte, je suis content. Oh, enfin. Ah. Ah, j'en avais marre là du Deadpool, le troll, tout, tu mets tout aujourd'hui pour le coup. Ah c'est vrai, on a la pause pub, désolé Lief, on a la pause pub. On va pas jouer longtemps du coup à ZZZ les gars, et on partira rapidement sur le let's play. Je vais essayer de dépasser, bah c'est sûr, et on n'a pas trop le choix de dépasser un peu parce qu'on a un peu trop joué à Honkai. Mais je vais essayer de pas trop dépasser là pour le coup, pour qu'on puisse quand même faire bien le let's play pour le coup. Vas-y, direction Ula. Putain, Ula. Il a vu. Ouais, t'inquiète, j'ai vu, t'inquiète. Donc, Ula, démo de personnage. Bam, clac, je l'ai ici, mec. Je me suis trompé. Non, je me suis pas trompé. Ok, tout va bien. Ah, par exemple, pourquoi ça me dit. Pourquoi ça me dit japonais FR? Ah, parce qu'il y a des sous-titres? Ouais, parce que tout de suite, vas-y, on va le mettre, c'est pas grave. Donc vas-y, je vous mets le son, les gars. Je vous laisse profiter de la merveilleuse danseuse de tango, ou je sais pas trop quoi. C'est parti.
On est d'accord, c'est vraiment du tango qu'elle danse, non? On est d'accord, les gars, c'est ça. Hein, je sais pas si tout le monde a déjà regardé son hobby de la semaine, les gars. Regardez si c'est pas déjà fait, évidemment. Bonjour Jojo, comment ça va? Comment vas-tu? Du coup, ici, on a tout critique PV défense, ça pue la merde. Ok, j'adore. Ok, ici, on a plus rien. C'est parti, on va... Du coup, je me demande, on va peut-être essayer un tout petit peu de faire les émossés, mais je sais pas si je peux avancer dans les émossés, les gars. Dans les abysses, ou je sais pas trop quoi. Demain, la nouvelle épisode. Ah, de l'anime qui est en hobby de la semaine, Kuzu? Je savais même pas. Ah ouais, non, merde, mais non, je peux pas, j'ai pas deux équipes. Ah, ok, non, ok. Ah, du coup, là, j'imagine où est-ce que je peux avancer, c'est dans le nez entre 0, les gars. Ici, comment ça marche? Progression de la commission de track, 0 sur 5. Limite de points d'inspection de cette période, 5000. C'est quoi? Est-ce que ça va me donner des points si je... Ouais, c'est ça, regardez, ça peut... Ah non, ok, j'ai déjà débloqué ici. Je comprends pas comment ça marche. Niveau de la licence, je suis pas sûr de comprendre ici. Ok, bah je vais laisser comme ça en vrai, je pense qu'on va juste switch sur l'autre jeu. En fait, puisque Honkai Star Rail a eu une mage, on devrait pas faire 100% Honkai. Oui, demain c'est 100% Honkai pour le coup. Demain c'est 100% Honkai, aujourd'hui c'était vraiment une petite escale qu'on a fait sur Honkai, mais demain on y va en 100% quoi. Ça c'est quoi? Mais de où j'ai ça? C'est vrai, j'ai pas fait tous mes vœux, les gars. J'ai pas fait tous mes vœux, moi. Je viens de réaliser. J'ai pas du tout fait tous mes vœux. Presque, mais pas complètement. Clac. On a les vœux perma aussi. J'en ai deux. Waouh, incroyable. Ah oui, demain, oui, nouvel épisode de Genshin en VF, les gars. Oui, demain, c'est le nouvel épisode. Je vous avoue, j'avais quasiment envie de skip cette semaine et de la programmer la semaine prochaine. Parce que là, du coup, le cinquième épisode, il va vraiment prendre beaucoup de temps avant d'arriver. Alors, je me dis, ce serait peut-être mieux que je les sorte à chaque deux semaines au lieu d'à chaque semaine pour que vous soyez pas trop choqués de la distance, de l'attente pour le cinquième épisode après. Je me demande en vrai. Hein. Je me demande. Ah, puis la merde. Ah, mais je remarque que ça fait 2 heures que tu stream et tu devais pas commencer à 19h. Oui, mais on avait des poules à faire, Jojo. C'était important. Déjà vu lobby, c'est ce que j'attends. C'est ce que j'attends tous les jours. Let's go. C'est ce que t'attends tous les lundis, tu veux dire. Perso, moi, ça va là. Je vais sur Genshin pour peut-être monter ma chevreuse. Let's go. Ouais, j'ai pas d'autres vœux, les gars. Je suis déçu. J'ai vraiment pas d'autres vœux. Ah non, on a la possibilité d'en prendre un dernier ici. Est-ce que ce serait peut-être le vœu de la chance, les gars? Et non. J'aurais aimé, mais non. C'est dommage. En fait, puisque Honkai Star Rail a une mage, on devrait pas faire 100%. Oui, mais c'est ça, on va la faire demain, 100% Honkai Riri. C'est demain, c'est mercredi le 100%. Bon. Du coup... Ah oui, non, je vais juste aller prendre le café vite fait pour aller faire la résine, les gars, pour que ça soit fait quand même. Et comment ça va, Girlmin? Je venais voir le million d'économies, quoi. Je vois pas de quoi tu parles, Girlmin. Je vois absolument pas de quoi tu parles. J'avoue, j'ai raté mon défi, Girlmin. J'ai 100% raté mon défi parce que... Il y a eu... En fait, il y avait une souris avec une queue. Elle était trop cool. Elle m'a séduit, tu vois. Je me suis fait séduire et c'est... Je résiste pas beaucoup, je résiste pas très bien à la tentation, en fait. Et où est-ce que c'est le café, les gars? C'est vrai, si. Je suis dégoûté.
Elle avait dit oui, Peps, il en fout les coups, gna gna gna. Comment ça, gna gna gna? Ah merde! Non, mais ah, je pensais tellement que j'allais y arriver en plus, Girlman, vraiment. J'ai même pas pull le flingue d'avant qui était incroyable en plus. Avoir su, je l'aurais pull avant, tu vois, avoir su que j'allais perdre mon défi. Je suis une merde, je sais. Ouais, il a enfin officialisé sa chaîne et Maudit, c'est vrai. Oui. Ouais, j'ai enfin officialisé Kozu, Girlmin. Ma chaîne est maudite. Il faut plus jamais que personne pull sur ma chaîne. Genre vraiment, c'est la catastrophe en fait. C'est vraiment catastrophique. Tout le monde qui vient pull sur ma chaîne depuis les 6 derniers mois perd tout leur 50-50. Font des hard pizzi tout le temps. C'est horrible. Je sais pas ce qui se passe. Il y a un truc sur la chaîne là. C'est pas normal. Sinon, je vais être. Je vais peut-être continuer mon explo. 100% au milieu de match de 5-0. Donc, deux premières zones de fontaine 100%. Ok, je vois. Bon, un petit dernier CD, les gars, et on va switch sur The Casting of Frankstone pour le coup. Hélène, elle a une plus grosse queue, Peps. Toi qui aimes les... Ouais, mais en fait, le truc, c'est que j'aime les rongeurs, les félins, genre, c'est pas... J'aime les animaux poilus, tiens. Les animaux poilus, j'ai trouve mignons, tu vois. Les animaux qui sont agiles, poilus, je sais pas, un peu au style félin, tu vois. La souris, c'est tout petit, c'est pas, il y a un truc, tu vois. Je trouve ça cool. Mais les requins, je suis pas très fan pour le coup en vrai, Red. Donc, les gars. Désolé, Kuzu, c'est ma faute. J'ai compris. Oh merde, je suis dégoûté. Oh non, mais c'est horrible, en vrai, c'est horrible. Je sais pas, c'est fou, mais c'est fou quand même que toute la malchance, elle est sur le stream, genre. Je vois pas comment c'est possible. Je vois vraiment pas, les gars. Bon, mesdames et messieurs, nous avons terminé avec ZZZ pour aujourd'hui. Je sais, Je sais plus parler. Nous en avons fait très peu, je le sais. Mais nous en ferons davantage. Ça va de 50k et le plus gros proc que j'ai vu, c'était, je crois que c'était environ 325k raid. Je t'avoue, par exemple, j'ai pas compris le 325k. Je sais pas de où il est sorti pour le coup. Parce que normalement, je suis plutôt dans les entre 50 et 80k, je crois. Mais il y a une fois, ça a proc 300, quasiment 350k en assaut, j'ai pas capté en fait. J'ai pas compris ce qui s'est passé cette fois-là. Est-ce que j'avais un buff ou je sais pas? Ouais, j'ai pas compris. Du coup, je sais même pas si te dire, est-ce que je vais vraiment jusque-là?
Je sais vraiment que je les proc, par exemple. J'ai vraiment vu, c'était très distinctif. Mais peut-être que j'étais dans un mode où est-ce qu'il y avait un buff, je sais pas, j'ai pas compris. Mais ouais, je crois que normalement ça va. Ouais, je sais pas, 50-80k. Bah, ça dépend. Je fais aussi du 150k des fois, relativement de temps en temps, tu vois. Bah, ça dépend aussi de ta rota. Ça dépend de ta rota. Les persos qu'on a dans l'équipe aussi et tout. Parce que il y a le bouclier, il augmente quand même pas mal. L'attaque, je crois, c'est l'attaque qui augmente pas mal. Non, c'est pas l'attaque. Pardon, lui, c'est l'adresse d'anomalie. C'est vrai, c'est l'adresse d'anomalie, lui. Et à part ça, j'ai jamais toujours pas commencé à faire baisser mes points de chaîne. Et du coup, je sais pas comment te les faire baisser pour le coup, Riri. Sinon, je sais que il y avait une fois, j'avais joué une compo avec le mec au bouclier. Et j'avais joué Sukaku à côté, parce que Sukaku, elle donne énormément d'attaque aussi. Si tu la montes, tu peux vraiment la monter en support pour qu'elle buff ton DPS en attaque. Ce qui peut vraiment être bien, Red. Mais je sais pas si c'est vraiment bien, sachant que du coup, on perd le buff du fait qu'il y a deux électros dans la team, tu vois. Mais vraiment, si tu veux faire une équipe super carry avec Jendu, tu peux faire Sukaku, le mec au bouclier et Jendu. Ça se fait de fou pour le coup. Ah, je peux pas encore lui mettre, pas grave, je vais le faire après, si j'oublie pas. Sukaku, ça buff les dommages glace. Pas que pour le coup, Red. Ça donne un énorme buff de... Bah, en fait, son buff d'attaque dépend de son attaque à elle. Donc, et ça, peu importe les dégâts glace, peu importe le type, Red. Va voir ses compétences et tout. Je pense que c'est son passif, si je me rappelle bien, Red. Bon, les gars, juste avant de commencer le jeu correctement, moi, je vais aller faire une pause pipi parce que j'en peux plus. Je dois absolument aller vider le café que j'ai bu depuis tout à l'heure. Je vous dis à tout de suite. Je vous laisse avec un petit blind test. Et je la joue dans ma team Hélène. Bah, normalement, alors, tu connais son passif. Son passif, il donne de l'attaque. Simple. C'est vraiment la stat attaque, quoi. Bon, sur ce, je reviens, les gars. À tout de suite.
Bonjour, bonjour Mina, merci beaucoup King pour le follow.